On est en direct? Démarrer? Mais je n'étais pas du tout prêt. Bonsoir, nous sommes des professionnels. Bienvenue dans la tronche en live numéro, je crois que c'est le 109. Et elle s'appelle cette émission obscure, biodynamie. En fait, j'ai envoyé un mail parce qu'il y a un truc, je vous explique par rapport à une thèse bizarre, peut-être qu'il faudrait discuter. Mais on enquête. Rendez-vous demain. Alors, l'agriculture, mesdames et messieurs, occupait autrefois plus de la moitié des travailleurs. Nourrir la population était un souci constant, la famine était un danger réel, la survie de chacun suspendue aux aléas du climat, des maladies et divers ravages. Aujourd'hui, on me corrigera si je me trompe, mais le monde agricole emploie 1,5% des travailleurs et produit plus que ce dont nous avons besoin. Entre-temps, l'agronomie a fait des progrès considérables. Les pratiques agricoles, les variétés améliorées, les matériels adaptés et l'agrochimie ont rencontré un succès phénoménal. On peut nourrir presque tout le monde dans le monde. Et de ce point de vue, il y a de quoi se réjouir, mais on a tendance à l'oublier, immergé que nous sommes dans une société de l'abondance, où la disette semble appartenir au Moyen-Âge. Nous n'avons plus peur de la faim, alors nous avons besoin d'avoir peur d'autre chose, peut-être. Le premier rôle de l'agriculture, donc, c'est de nourrir la population. Le deuxième rôle de l'agriculture, c'est de nourrir bien, avec des produits sains. Et là, c'est un débat très différent, très compliqué, que de savoir comment on distingue un produit vraiment, vraiment sain d'un produit problématique. Et donc ça, on en parlera un peu, mais moins. Le troisième rôle de l'agriculture, c'est de s'efforcer de ne plus être l'un des secteurs les plus polluants de la société, de réduire ses rejets des produits chimiques dans les rivières, dans les nappes phréatiques, de réduire l'utilisation de pesticides qui mettent en danger la biodiversité, de réduire l'impact des écosystèmes sur les paysages, en rétablissant du bocage, des parcelles boisées, des lisières, de la variété dans les cultivars, de raccourcir les filières, d'éviter de chauffer des serres en brûlant du pétrole, etc. Bref, la marge d'amélioration de l'agriculture est conséquente et ça donne de la place à des propositions alternatives, des manières de produire de la nourriture qui répondent à des critères écologiques. Le bio est au minimum un outil marketing pour mettre la pression sur le monde agricole afin qu'il s'aligne avec les attentes du public. Et au mieux, mais il faudrait qu'on le prouve, une manière saine et efficace de nourrir tout le monde tout en respectant l'environnement. Et puis, il y a la biodynamie. Très à la mode, la biodynamie. Alors, c'est une sorte de philosophie, un pas de côté, une liberté prise avec les certitudes de la science pour se reconnecter au vivant, à ce qui compte vraiment, au fond, à notre place dans le cosmos. La biodynamie, c'est la pratique agricole rêvée par Rudolf Steiner, un ésotérique du 19e siècle, ou, c'est ça, ou du 20e, peut-être un peu, plutôt 20e, hein, il a chevauché. Auteur d'une œuvre pléthorique, et notamment de centaines de conférences adressant tous les sujets possibles, tant son génie universel avait le droit de tous nous éclairer de son anthroposophie. Un mouvement spirituel que, par souci de concision, je vais ici appeler un peu abusivement, mais pas trop, une secte. La biodynamie est donc une image de marque, un produit d'abord cognitif, qui permet de croire qu'on est plus écolo, mieux écolo, plus éveillé, plus à l'écoute du vrai sens des choses, une pratique aux théories jamais vérifiées, car jamais vraiment testées, en fait. Dans lesquelles, par exemple, on va y revenir, de la bouse de vache introduite dans des cornes de vache passe l'hiver enterrée dans le sol, puis sert à élaborer une préparation ultra diluée dans de l'eau de pluie qu'il faut d'abord faire tourbillonner pendant 1 heure afin que cette solution puisse agir. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle édifie la structure du sol, elle favorise l'activité microbienne, elle régule le pH, elle stimule la germination et mille autres merveilles. La biodynamie, vous ne le saviez peut-être pas. En articulant, ce n'est pas du bio, c'est de l'homéopathie pratiquée en plein champ en respectant un calendrier astrologique. Bon, dit comme ça, c'est un petit peu abrupt, je m'en rends compte, vous n'avez pas forcément envie de me croire. Alors prenons notre temps, nous avons 2 heures pour examiner d'où vient la pratique de la biodynamie, ce qu'elle dit vraiment, si peut-être il existe des preuves de son efficacité, c'est possible après tout, même si la théorie est bizarre, la science n'ayant pas réponse à tout, si ça se trouve, ça marche. Et pour en parler, nous avons avec nous Cyril Campari, qui est docteur en microbiologie, donc il est docteur, donc ça valide, hein, et qui enseigne la SVT dans un lycée du sud de la France. Bonjour Cyril. Bonjour Thomas. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Oui, plein. Alors,
Alors, Corrige-moi. donc déjà, je suis professeur de biologie écologie au lycée de C'est Rivesaltes. pas les Lycée, étés. non, c'est un On lycée dit. agricole. Donc dans les lycées Ah agricoles, oui. c'est de la biologie écologie, donc c'est pas de la SVT. Je corrige, La partie biologie. géologie est mise de côté. Donc voilà, ça c'est. Bon, il faut bien te corriger un peu de temps en Le temps, hein, reste, mais ça allait. le reste était très bien. D'accord, donc il veut me corriger ce soir. Ouais. Mesdames et messieurs, ça va bien, ça passe. Et sinon, à part ça, j'ai fait ma thèse à Marseille, donc en microbiologie. Oui. Donc, j'ai fait pas mal de vulgarisation scientifique, donc c'est pour ça que j'en suis arrivé là. C'est ça, mais je veux dire, c'est que bon. Je fais de la vulgarisation avant d'être enseignant. Et donc, dans ta vulgarisation, tu as vulgarisé tout ce qui était agriculture, c'est ton domaine? Alors, non, c'est pas mon domaine. Donc, moi, c'est la microbiologie fondamentale à la base. Et donc, toute la partie vulgarisation, ça s'est fait à l'université d'Aix-Marseille. Ensuite, j'ai bougé du côté de Perpignan. J'ai fait de la vulgarisation aussi au Biodiversarium de Banyuls-sur-Mer. Donc, toute la partie écologie marine, etc. Et je me suis reconverti en tant qu'enseignant en biologie-écologie à Rivesaltes. Et qui dit enseignant dans un lycée agricole, Oui. dit pratique agricole et biodynamie. On en vient vite à parler de biodynamie. Et donc tu t'es mis à en parler sur les réseaux C'est sociaux ça. à partir de quand? Ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait 2 ans que je me renseigne dessus. Ça fait un an que j'en parle vraiment sur les réseaux sociaux. Et ça vient en grande partie. C'est de votre faute, quoi. Hein. C'est à partir du live que vous avez fait avec Grégoire Perra et. On va en reparler, c'était en Voilà, 2018, ouais. c'est ça. Tranchant live 68, les secrets de l'anthroposophie. Bon, d'accord, du coup, tu t'es intéressé à Oui. ça, et donc tu écris sur Twitter beaucoup, tu as Voilà. d'autres médias? Alors, j'ai un site internet, donc cyril-dégénère.com, DGNR, Bon, dégénère par référence à à Thierry Casasnovas, lui qui lui régénère RGNR, voilà. jusqu'à sa perquisition il y a quelque temps. Bon, en Voilà. tout cas, ok. Et j'essaye voilà, de vulgariser au maximum ce qu'est vraiment la biodynamie et pour un peu débunker cette aura de bienveillance qu'il y a derrière. Ton son étant un peu plus faible, je vais décaler mon micro pour Tout qu'on à fait, t'entende je un peux peu même plus. Non, mais m'avancer ça va tranquillement. aller, ne bouge pas. Ça va aller. Par contre, pas de taper la table parce que ça va faire beaucoup de bruit. Excusez-moi. Mais c'est même pas aussi. Alors, du coup, bon, tu t'intéresses à ça. En quoi, pourquoi est-ce qu'il faut t'écouter, toi? Après tout, il y a peut-être des gens. Il ne faut pas m'écouter, moi. Hein. Alors, voilà. Voilà. C'est jamais. Bah, du coup, l'émission arrête Voilà, d'accord. ben, je m'en vais. Non, alors, moi, je me renseigne parce que j'ai l'habitude de lire des papiers scientifiques. J'ai l'habitude d'avoir un œil critique. Mais bien sûr, tout ce que je dis, il faut le vérifier derrière. Je ne prétends pas que parce que je suis docteur en biologie ou professeur dans un lycée agricole, j'ai la science infuse sur les questions de biodynamie. Par contre, j'ai Le passé. CV ne fait pas tout. Non. Il n'y a pas une affaire en Je cours sais pas pour. s'il. Non, voilà. J'ai l'habitude de me renseigner sur ces sujets-là. J'ai pas la science infuse. Et par contre, j'ai l'habitude de lire des papiers et d'exercer mon esprit critique. C'est dans Ok, ce du coup, moi j'ai sens-là. fait une intro à charge, évidemment. J'ai forcé un petit peu le trait, mais on va regarder ça un peu plus dans le détail pour voir un peu de quoi on parle. La biodynamie. Ouais. On parlera de son origine après, mais déjà, qu'est-ce que c'est? Ça date de quand? C'est Alors, quelque chose. ça date des années 20, exactement de 1924. Ça a été donné dans une série de 8 conférences. Voilà, ça, Donc, ça, voilà, on c'est verra après pour la base, l'origine hein. pour de vrai. Hein. Et c'est une agriculture qui est plus bio que bio. Ça, c'est vrai, elle a ça pour elle. Si on veut aller plus loin que le bio, il y a la biodynamie. On verra après. Mais en tout cas, c'est une agriculture où elle a un cahier des charges qui est très strict. Il y a 3 labels différents qui encadrent ça. Et les labels sont vraiment, vraiment très stricts, même par rapport à un cahier des charges uniquement biologique. C'est encore mieux, si on peut dire, pour l'environnement, pour le bien-être animal, pour la santé des hommes, Et etc. les critères utilisés, ça garantit que c'est mieux ou c'est juste plus Sur exigeant? plus exigeant. Voilà. Non, C'est déjà on n'en ça. est pas sur de la. C'est pas qualitatif. C'est plus exigeant dans le sens où, par exemple, pour les pesticides, si on prend juste l'exemple des pesticides. En agriculture biologique, le label AB, on a 4 kilos par an et par hectare de bouillie bordelaise qui peut être répandue, Oui, qui est un pesticide, donc ça c'est du bio, mais voilà, on qui l'a est quand même un bio. pesticide. Hein.
Oui, pas mal. Voilà. Aussi, oui. Voilà. Sans rentrer dans le débat de synthèse ou naturel. Naturel. Voilà. C'est ça. La bouillie bordelaise, c'est naturel ? Là ? La bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est donnée pour être naturelle, donc utilisable en agriculture biologique. Bon. Voilà. Et donc, 4 kg par an et par hectare pour l'AB, pour l'agriculture biologique, mmh. alors que pour la biodynamie, on va descendre de 1 kg. Donc, on est sur du 3 kg par an et par hectare. Mmh. Voilà. Donc, on est quand même dans un meilleur respect de l'environnement. En tout cas, il y a un souci. Il y a un réel souci de... Donc voilà, on n'est pas en train de dire que les gens sont des charlatans. Là, non. Il y en a aussi dans l'affaire, ouais. mais bon. Et alors, comment est-ce qu'on la définit, la biodynamie ? Alors, là, comment on la définit ? Comment elle se définit, disons ? Elle se définit comme une agriculture plus bio que bio. Ça, c'est vraiment en tant que telle. Et même, pour revenir sur le cahier des charges, on a même indiqué qu'on doit avoir sur une parcelle agricole 10% laissé à la biodiversité. D'accord. Donc ça peut être une mare, ça peut être... Et ça, c'est réellement intéressant de mon point de vue. Oui, c'est... Ah oui, les services écosystémiques que peuvent rendre ces zones-là, elles sont, ils sont vraiment importants. Après, c'était les seuls à proposer ça ? Alors... C'est marqué dans leur cahier des charges. Je ne sais pas pour le cahier des charges de l'agriculture biologique. En tout cas, c'est marqué et ils communiquent beaucoup là-dessus. Oui. Après, c'est, pour le coup, c'est un vrai argument. C'est un vrai argument. Donc voilà, il y a des choses qui sont vraiment bien. Ils ont ça pour eux. Et pour définir vraiment ce qu'est l'agriculture biodynamique, c'est de l'agriculture biologique, plus, et on verra après, hein, oui. les préparations biodynamiques. De préparation biodynamique, c'est les tisanes qu'on va retrouver dans toute la bibliographie, dans les médias. On parlera de la préparation 500, voilà, la 501, etc. Et que les gens connaissent peut-être, hein, c'est les plus connus. Si vous ne connaissez pas le poivre du mulot, voilà. Vous allez apprendre ce que c'est. J'ai oublié parce que mon cerveau a fait un scotome, parce que j'avais besoin d'oublier. Est-ce que... comment les médias en parlent-ils ? Parce que, bon, y a un effet de mode considérable depuis... Ouais. 3-4 ans, peut-être un peu plus. Ouais. Est-ce qu'on sait comment ça... Alors, Pierre Rabhi, qui a même beaucoup parlé, on pourrait y revenir tout à l'heure. Comment les médias le traitent-ils ? Est-ce que tu as le sentiment que c'est très complaisant, que c'est hémiplégique, c'est... ou est-ce que on a les... Est-ce que c'est bien équilibré comme traitement ? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est pas des masses équilibrées. Hein. C'est plutôt complaisant dans les médias. Mmh. Si tu veux, on peut dire deux mots sur la série du Monde cet été. Il y a eu une série sur Rudolf Steiner, philosophe, grand penseur alternatif, etc. Voilà. Et là, donc les journalistes du Monde ont séparé la pensée de Rudolf Steiner en plusieurs segments, donc les écoles, Steiner, les écoles, l'architecture, la biodynamie, etc. Et donc, tous les invités un peu critiques de l'anthroposophie, donc que ce soit de la biodynamie, des écoles Steiner, Waldorf, etc., ont été systématiquement tronqués ou leurs paroles ont été un peu déformées pour rentrer dans une espèce de complaisance. On les a un peu tournés en ridicule et les journalistes ont suivi un petit peu la ligne de communication du Guétanum, qui est la maison mère de l'anthroposophie. Ouais, c'est le... Ils disent que non, parce que c'est des journalistes, donc ils ne sont pas censés le faire, donc s'ils disent oui, ils perdent leur travail, donc ils disent non, mais ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Il y a un article qui est très bien fait de Fact and Furious qui reprend ça. Et puis derrière, après, il y a tout un tas d'articles de presse, je pense notamment à Marianne et à Arrêt sur Image, qui reprend cette affaire et en donnant des éléments plus factuels, des éléments plus critiques de l'anthroposophie. Et de cette histoire-là. Après, Arrêt sur Image, en gros, c'est des critiques des médias. Donc, quand il y a un truc comme ça, ils sont heureusement qu'ils sont là. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, parce que, en tant que sceptique, évidemment, nous, on est très critique de cette pratique. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, mais elle pose plein de questions. Et on a le sentiment que les médias se laissent éblouir par la communication, par la mode, et par le côté plus beau que bio, et pas par là qu'il y a des produits comme ça qui sont. On va parler en termes de part de marché, de chiffres, de progression. Est-ce que tu as des choses à dire ? Alors, on est sans cesse en progression là, sur la biodynamie. On était, il n'y a pas longtemps, à 985 fermes en France. Mm-hmm. Okay.
Et dans ces 985, dans ces 1000 fermes, on est à 600 en viti. Donc c'est une affaire plutôt C'est du vin. de viticulture. Et Alors 900 fermes sur combien en France? j'ai pas les chiffres. Par contre, on est en, je sais pas si c'est mondial. En tout cas, ils sont sur 55 pays. Hein, et j'ai pas la part entre la biosie et les autres. Il y a de plus en plus de gens Il qui y a rentrent plus dans en... le qui veulent avoir le label. Mais c'est quand même une. C'est très faible hein, en quantité, la biodynamie par rapport à l'agriculture biologique. Et Donc par. c'est plus des petites fermes. Ouais. Enfin, c'est Non? pas plus des petites fermes. Il y a peu de fermes qui sont biodynamiques. D'accord. C'est plus Parce ça. que 900, ça paraît beaucoup. 900, ça paraît beaucoup. Après, on est sur. Je crois qu'on est sur du 50 000 en biologique en France. Il y a Donc, 50 000 fermes ouais. biologiques. Il y en a Ouais. combien en tout là? C'est... En tout, j'ai pas Bah, les c'est... chiffres. Moi, je suis pas prof, hein. Je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, ça progresse. Oui, voilà, en fait, c'est ça l'important. Ça progresse, mais c'est quand même très faible par rapport à la quantité de fermes qu'on a. Par contre, ils ont une aura de complaisance et de bienveillance des médias qui les fait paraître peut-être plus importants que ce qu'ils Oui, ne sont on vraiment. parle plus d'eux Voilà, que ça que me la fait quantité penser aux qu'ils sont. anti-vax. On parle C'est beaucoup ça. d'eux qui sont au bout du spectre et donc ça C'est ça. attire le. On met le spotlight dessus. Après, ce qu'il faut aussi peut-être dire à ceux qui nous écoutent, c'est que, ok, on a d'un côté la biodynamie, et de l'autre, tu as ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'agriculture conventionnelle avec les pesticides, Ah etc. oui. Entre les deux, on a quand même plein de nuances et de variantes, et ça, Oui. il faut quand même pas l'oublier. On peut rester dans quelque chose qui est peut-être plus factuel, plus. La plus facile, ça, on verra Ouais, dans la on. partie 3 Ouais. comment on mesure, Mais en tout mais. cas, il y a plein de variantes d'agriculture qui ne sont ni biodynamie ni D'accord. conventionnelle. C'est pas C'est ce que je voulais. ou Voilà. pesticide à fond, Voilà. biodynamie, rien entre les deux. Donc il Voilà. y a tout Il un y a continuum. un panel de nuances qui est quand même à considérer. Oui, parce que je suppose que, enfin, on prend un agriculteur de base, il a envie de produire des choses pour nourrir les gens, c'est son métier, et puis il a envie que la nature s'en porte mieux ou pas moins bien, parce qu'il vit aussi comme nous dedans. Donc évidemment. Et donc, par rapport à ces-là, il fait des choix stratégiques. Maintenant, comment on accompagne le choix de ça? C'est un sujet en soi. Nous, on parle de biodynamie ce soir. Alors, les réseaux. Il y a des réseaux politiques, il y a des réseaux économiques, il y a des réseaux idéologiques. D'ailleurs, on a évoqué les médias. Il n'y a pas que ça. Il y a des réseaux sociaux, et puis il y a des financements. Ouais, Alors, on parle d'anthroposophie maintenant, juste après. juste après? Ok. Donc, dans les médias, enfin dans les réseaux sociaux en tout cas, quand on parle de biodynamie, tout de suite, on va sur Twitter, si on parle que Twitter, on va avoir une vague d'anthroposophes ou de Ou non-anthroposophes. qui Hein, disent qu'ils ne le sont pas, mais qui parlent que voilà, de ça. voilà. Et qui ne jurent que par l'anthroposophie, hein, des anthroposophes 2.0 en quelque Donc sorte. on salue Sylvain qui regarde forcément l'émission. Enfin, on ne salue pas, mais en tout cas, Voilà, on il lui fait un petit bisou. voilà. Et donc ces anthroposophes-là vont systématiquement venir dans les commentaires, venir sous les publications qui sont critiques de la biodynamie pour un peu pourrir le débat et pourrir les critiques de ce type d'agriculture. Ce qui rend très difficile l'information sur ce sujet-là. Oui. Ce qui arrive aussi avec quand on essaye d'informer sur les vaccins, etc. Oui, et à la limite, les sceptiques ont un peu cette image-là de quand il y a un truc qui passe qui ne nous plaît pas, on va aussi sous les publications, on Tout à fait. critique. Bon, en soi, c'est la preuve de rien. C'est pour dire que c'est un sujet qui passionne un petit peu et qui est un petit peu chaud, et ça ne se passe pas toujours très très bien. Mais en soi, ça ne prouve pas que ça ne marche pas. Ah non, Juste, c'est comme ah ça que non. ça se produit. Mais est-ce qu'il y a des, au-delà des réseaux, est-ce qu'il y a des relais sur les réseaux, je parle de bon, politique, économique, etc. Comment ça se passe? Parce que pour qu'elle ait un tel succès, il y a du marketing, je l'ai évoqué, c'est sûr, c'est pas suffisant. Alors après, tu vas avoir aussi des politiques qui vont se faire relayer de ça. Je pense notamment à Françoise Nyssen, qui était l'ex-ministre de la Culture de Macron, qui, elle, était très proche de l'anthroposophie, pour pas dire anthroposophe, hein, et Il y avait une école Steiner. qui avait fondé une école Steiner-Waldorf ou apparentée, et Parenté. qui a une maison d'édition, il me semble, Actes Issu Sud, d'une Actes Sud, grosse maison d'édition. qui est apparentée et qui publie des anthroposophes. Donc Donc il y a du réseau. voilà, il y a du réseau. Et
Mélenchon était critique il y a pas si longtemps sur les liens de Françoise Nyssen avec l'anthroposophie. Et j'ai appris là il y a pas longtemps où il s'est rendu à Éour, au lieu du New Age et de tout ce qui est thérapie alternative, agriculture Il y avait eu alternative. un reportage, je ne sais pas si c'est écrit, je crois que c'est écrit, ou même vidéo sur Éour et Le nouveau péril sectaire C'est là-dedans que j'ai lu, de c'est ça. Jean-Louis Aténor Et et. ben on va la recevoir, Ouais. a priori au mois d'avril, ces deux journalistes-là. Oui, c'est là que j'ai vu ça. Un très bon bouquin justement sur là sur la biosimie, il y a toute une partie Enfin, sur la. sur les différents types de dérives Ouais. sectaires, qui posent problème en France, et Et notamment notamment là. l'anthroposophie. Alors, anthroposophie, donc c'est le groupe qui est derrière ça. Steiner, c'était le gourou de l'anthroposophie. Il y a évidemment derrière. Allez voir le live avec Kegger parce que si vous ne connaissez pas encore l'anthroposophie, ce qu'on va vous dire, ça va vous paraître extrême. Mais c'est pas possible que tu racontes en France en 2022. Oui, et bien pourtant, il se passe des choses. Donc, l'agressivité permanente qu'il y a sur les réseaux, et le fait que c'est une dérive sectaire qui se défend comme une dérive sectaire, donc avec beaucoup d'agressivité. Qu'est-ce qui s'est passé? Notamment toi, d'une façon personnelle sur les réseaux, on ne va pas tout dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, on peut dire que un des anthroposophes est allé un peu trop loin sur les réseaux sociaux et puis les réseaux professionnels aussi. Oui. Ils écrivent aux employeurs, ce genre de choses. Voilà, Oui. c'est ce genre de pratiques qui sont courantes, hein. Et donc, bon, sans trop rentrer dans les détails, j'ai décidé de porter plainte. Voilà. Quelle part en cours. Alors du coup, moi, si vous voulez écrire à mon employeur, ça s'appelle l'ASTEC. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé, pas forcément en anthroposophe, mais c'est un lecteur Voilà. qu'on a, mais comme il nous déteste, il aime tout ce qu'on n'aime pas, donc du coup, voilà. Et donc, quand on fait des conférences, ils écrivent aux gens pour dire à quel point on est des méchants, pro-GM, genre de choses. Et c'est un peu le même Ouais, problème. Et M. Perra, donc, Edgar Perra, il était chez nous en 2018, depuis qu'il est venu chez nous. Ça a beaucoup énervé les anthroposophes qui lui ont fait trois procès. Ils ont perdu les trois procès, mais ils ont quand même continué à le harceler. Il y a eu du doxing. Et il y a eu une dénonciation via la LICRA pour un tweet qu'il avait posté. Et donc il s'est retrouvé en garde à vue pendant plusieurs heures, accusé d'appel à la haine et de racisme parce qu'il avait cité Rudolf Steiner. Et donc je propose, pour que vous compreniez à qui on a affaire et le fait que. La biodynamie est une théorie qui vient à 100% de Rudolf Steiner et on verra ensemble qu'elle n'a pas évolué du tout, puisque c'est pas de la science, mais c'est une révélation. Je vais vous lire le texte qui a valu à M. Perra d'aller en garde à vue. Alors, si vous voulez m'envoyer en garde à vue, c'est maintenant, il faut faire une capture et oublier le contexte. Donc, ce que M. Rudolf Steiner a dit, et avec quoi je ne suis pas d'accord, il dit, en Afrique, les êtres humains ont une façon particulière d'aspirer, d'absorber toute la lumière et la chaleur du cosmos. C'est pourquoi la vie du corps et le métabolisme sont si fortement développés chez les nègres. Alors, le mot, on peut lui pardonner, c'était d'usage à l'époque, c'est le mot maintenant. Peut-être qu'il n'aura pas qu'à ça maintenant. Mais bon, le reste, d'abord, c'est pire. Ceux-ci sont dominés par un fort appétit sexuel, par de forts instincts, et comme chez eux, tout ce qui vient du soleil, lumière et chaleur, se trouve réellement à la surface de la peau. Tout leur métabolisme fonctionne comme si le soleil lui-même bouillait à l'intérieur. Cela provoque leur passion. Au sein d'un nègre, le feu de la cuisinière ne s'éteint jamais et c'est leur cerveau arrière qui allume le feu. Voilà, donc en gros, les noirs sont arriérés et primitifs. En fait, c'est dans Vom Leben des Menschen und der Erde über das Wesen des Christentums, page 55, Rudolf Steiner, papa de l'anthroposophie. Quel accent? Ich habe Deutsch gelernt. Ah ben, ich habe alles vergessen. C'est ce que je peux vous dire. Donc, est-ce que tu veux reprendre là-dessus? Parce qu'on va parler de l'origine, mais il y a, au-delà de l'origine de la biodynamie, il y a le contexte de ceux qui la défendent. Alors, évidemment, les gens qui font la biodynamie, je ne dis pas qu'ils sont racistes. Que non plus. Ah bah non. Voilà. Évidemment, on ne les accuse pas des défauts, mais je pense que beaucoup ne savent pas l'origine de la chose qu'ils pratiquent. Et ça, on va en parler. Un dernier mot sur le. Est-ce qu'il faut autre chose comme concept à avoir à l'esprit pour comprendre de quoi on va parler? Je pense qu'on est bon. On est Je bon. pense qu'on est bon. Bien, alors on va passer à la partie 2, les origines de la. Alors du coup, voilà, M. Perra, n'hésitez pas à aller voir son le
le temps je m'enlève 68, et puis il a fait des entretiens avec notamment Elisabeth Explorer. Fittit et puis d'autres. Voilà, allez. Si vous voulez découvrir ce que c'est que l'anthroposophie, pour l'instant, peu de gens en parlent. Parce que les gens qui en sortent se font pourrir, en fait, dès qu'ils en parlent. Donc, mais Gruber, lui, il résiste bien, il est résilient pour l'instant, donc ils n'ont pas réussi à le faire taire. Il y a une super chaîne aussi qui parle de pas mal d'anthroposophie. C'est le Skeptics in the Pub Valley de Kalou, que j'ai rejoint là très récemment, où justement il y a tout un onglet sur la pédagogie alternative et l'occulte pédagogie des écoles Steiner-Waldorf, notamment avec Grégoire Perra et Stéphanie Devance. Bon, donc allez voir tout Voilà. ça et tu pourras me donner un lien et je le mettrai dans la description. Alors, l'anthroposophie donc a une origine occulte, c'est-à-dire que c'est pas une discipline qui aurait été imaginée par un agriculteur sur le terrain qui fait des tests. On peut imaginer bien hors de la science, il y a des gens qui ont du bon sens, qui font des tests et ça pourrait très bien être ça. C'est pas ça qui s'est passé. Non. Ça sort d'où? Alors, ça sort d'où? Alors, Rudolf Steiner, c'était un occultiste. Hein. Donc, tout à l'heure, dans ton édito, t'as dit Ésotériste, alors Ouais, voilà. occultiste, Il y ésotériste. a une légère différence, mais je suis pas vraiment Bataille pas. sémantique Ouais, entre est-ce ouais. que occultisme ou Ouais. ésotérisme, j'avoue que Je te le bon, laisse celui-là. je sais pas trop des fois. Et donc, voilà. Rudolf Steiner, il écrivait sur tout, comme tu l'as dit. Et donc, il en est venu à parler de biodynamie et enfin d'agriculture, en tout cas. Et donc, les fondements de la biodynamie, ils viennent d'un cours aux agriculteurs. Donc, ça a été retranscrit là-dedans, là. Je sais pas si on le voit. Oui, on voit bien. Ouais. On voit bien. Donc, ça a été retranscrit dans ce cours aux agriculteurs. C'est une série de 8 conférences. Et en fait, Rudolf Steiner, il n'a jamais fait d'agriculture de sa vie, à part récolter des patates. Et donc, il va voir des paysans et il va leur expliquer tout ce qu'il faut pour cultiver leurs champs, prendre soin de leurs bêtes, et tout ça en lien étroit avec l'anthroposophie, donc avec sa doctrine occulte. Voilà, ça, c'est les fondements de la biodynamie sont l'anthroposophie. Oui, Voilà. et moi j'ai alors j'ai pas le lien, mais j'ai vu en commentaire lorsque j'ai posté l'annonce de la vidéo, des gens qui ont commencé à parler d'esprit de farfadet et de lutin sur la page Facebook ou sur la page Twitter, je ne sais plus. Je déconne pas. Des gens parlaient sérieusement des esprits de la nature et tout l'art de l'anthroposophie, c'est de leur plaire, enfin, c'est d'être en harmonie avec ces C'est créatures-là. des êtres élémentaires. En fait, il y en a quatre. Alors. Donc, il y a les Quatre gnomes. éléments, donc Ouais. Igloum, c'est la terre. Voilà. On a les salamandres. C'est le feu. Ouais. On a les ondines. Ça, c'est l'eau. Ouais. Et les sylphes. Ah bah, c'est l'air. Ouais, c'est bon. T'as les quatre. Je suis C'est fort. J'aime bien. J'aime ce jeu. bien. Et tu verras, c'est un peu comme de l'heroic fantasy au final. Hein. Et donc, la biodynamie s'intéresse à un peu titiller ces êtres élémentaires, ou en tout cas leur plaire, pour nourrir les hommes et les corps subtils des hommes. Parce que dans l'anthroposophie, il y a le corps éthérique, le corps astral et le corps physique. Il n'y en a que Voilà. trois. Il n'y en a que trois. Bon, Il n'y a pas le c'est cœur déjà pas mal. vibratoire, le Non. cœur incliné. Non. Non, Non, ok. il y a trois, ça suffit. Voilà, mais je suis sûr qu'on C'est va pas. faire plus. Donc, ok, bon, donc il fait ses 8 conférences dans lesquelles il parle un peu de farfadet, genre de choses et des esprits. Non, Pas non, directement, pas non. ça en fait, c'est dans d'autres conférences qui va donner. Les farfadets, enfin pas les farfadets, mais du coup Les les personnes. gnomes, etc. Oui. Non, dans le cours aux agriculteurs, il parle des corps subtils, il parle des planètes lointaines, infracosmiques, etc. Il Les parle de planètes ça. Ouais. infracosmiques. Bah, moi, j'ai pas lu Alors, ce bouquin. Qu'est-ce que pour c'est? l'anthroposophie, il y a, pour Rudolf Steiner en tout cas, tout ce qu'on dit là, c'est dans ses bouquins, hein, et Oui. c'est tout ce qu'il a vu. Il y a combien? Il y a 150 Ouais, volumes, je c'est crois. hallucinant. Et tout ça, c'est ce qu'il a vu dans l'Akasha. Les Voilà, annales akashiques. les annales akashiques. Donc la bibliothèque éthérique. Bon, voilà, donc c'est un monde où il n'y a que lui, hein, qui peut y aller, par Nous, on contre. a une Voilà. bibliothèque ultra chic. C'est lorsque vous Voilà. nous envoyez les bouquins de ce type-là, on les range chez nous, c'est juste à côté. Enfin, non, il n'y a pas que lui qui peut y aller. Il faut. Oui, mais Mais pour l'instant, il n'y a que lui qui a les pu gens aller. éveillés. Mais lui, c'est un génie. Voilà. C'est un hyper génie avant Oui, l'heure. il a peut-être trois doctorats en occultisme. C'est pas possible. Ouais, peut-être. Mais Et donc, pourquoi on l'écoute? pourquoi on l'écoute?
Aucune idée. Enfin, moi, je l'écouterai pas, en fait, hein. C'est... Non, je suis d'accord, mais on l'a écouté à des paroles. C'est ça qui est étonnant, c'est que, limite, il pourrait aller trouver un historien pour Ouais. tracer Ouais. pourquoi cette parole-là fait autorité Ouais. dans une petite partie, mais quand même, elle Et après, reste. ça s'est répandu. Mais en fait, il avait ça pour lui que il parlait d'agriculture, mais il parlait aussi d'écoles alternatives. Il avait tout un modèle de pensée qui n'était pas le modèle de pensée dominant à l'époque, D'accord. qui se retrouve aussi aujourd'hui, en fait. Et Aujourd'hui, il serait youtubeur. ah ouais, aujourd'hui, il serait youtubeur. Hein. Ah ouais. Et peut-être qu'il ferait des interviews avec des gens comme ça. Et donc, t'es allé dans la cacha ou pas encore? Je ne répondrai qu'en présence de Ok. mon avocat. Et pourquoi ça plaît? Pourquoi ça plaisait? Parce que c'était un monde qui était en pleine industrialisation et Oui. les gens avaient besoin de reconnexion à ce qui était le réel, en fait. En gros, Enfin, c'est le un réel. discours extrêmement réactionnaire au progrès technique qui a plein de défauts d'ailleurs. Donc ils ont bien raison de critiquer, mais en se réfugiant dans des concepts où la nature veut notre bien. Ce que les virus, notamment celui de la grippe ou un peu méchant, la variole, voilà, à l'époque, ouais, les virus nous prouvent que la nature, elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut. Mais lui, non, c'est l'enchaîneur. D'ailleurs, on a aussi la médecine anthroposophique, on pourrait en parler, mais non, on ne va pas en parler maintenant. Mais la médecine anthroposophique est une des pires dérives des médecines. Et juste pour revenir sur les Oui. virus, etc., sur les Que tu maladies, connais. Non, mais pour Rudolf Steiner, et c'est en lien avec la pandémie, etc., les vaccins, Ah oui. Vas-y. c'est La tête nocif, c'est karmique. voilà, et ça empêche on supprime la dette karmique, quoi. Enfin, Quand vous êtes malade, c'est que il faut que vous soyez malade, c'est important pour vous, vous payez quelque chose, parce que du coup, il y a les cycles de réincarnation, vous avez été pas gentil, donc vous avez une bonne grippe à 20 ans, c'est qu'à 20 ans, vous avez fait un truc pas bien avant. Et donc, si on vous vaccine, vous ne pouvez pas être malade, vous ne pouvez pas éprouver la souffrance expiatoire de votre parcours, de la Kundalini, je suppose, tout ça. Voilà, il y a toute une vision du monde magique. Évidemment, quand on est plutôt matérialiste, et qu'on, enfin, en tout cas au minimum, c'est qu'on constate que les virus existent et qui rendent malades, et bien les vaccins sont utiles. Mais si vous voulez penser que les virus sont vos ennemis et qu'ils vous aident à évoluer dans votre dette karmique, et, voilà. Et du coup, de la même manière, en agriculture, il y avait un rejet de la modernité. Un rejet fort de la modernité et qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça plaît beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur les pesticides, les médias sont en grande partie responsables. Hein. Ce qu'on entend sur les pesticides, sur... Oui, mais ce qu'on entend, c'est un petit peu vrai aussi. Oui, mais tout à fait d'accord que c'est vrai. Alors. Est-ce que c'est pas peut-être un peu trop exagéré? Je sais pas. Mais on a quand même ce besoin de reconnexion à la nature, et c'est tout à fait louable, hein. C'est des intentions qui sont vraiment... Moi, je m'identifie à ce genre d'action, en retour à la Terre. C'est bien, quoi. Voilà, on peut être écologiste sans être réactionnaire. Oui. Donc, on a ces conférences en 1924, on a ces théories. Tu nous parles un peu d'astrologie, peut-être? Tu veux pas que je te parle des préparations d'abord? Après? On va venir après, parce qu'à la préparation, on va parler de est-ce que c'est vrai ou pas. Mais parce que tu as parlé des planètes infracosmiques, du coup, je n'ai pas tout suivi. J'ai raté ce chapitre-là, Alors, je n'ai pas vu. pour Rudolf Steiner, il y a une influence qui est claire de la Lune. Ça, c'est la base. Hein. Montre-moi le bouquin, on va le montrer à l'image. Vas-y, Tac. vas-y, vas-y. Pendant que tu expliques. Donc, il y a une influence claire de la Lune. La Lune a une influence sur la pousse des plantes et va Oui, ça pousse des cheveux aussi. sur la pousse des cheveux, sur les naissances, etc. Hein, c'est tout le package. Et donc là, c'est Jean-Benoît Mébèque qui fait une BD sur la biodynamie, la découverte de la biodynamie par... On en a déjà parlé, mais là, en fait, il est très très épais parce qu'il est trois volumes en un, et donc c'est un très beau. Voilà, c'est super. Et donc c'est tout est vrai. Il a enquêté sur la biodynamie et notamment sur le vin biodynamique. C'est pourquoi ça s'appelle Bacchus, Cosmo-Bacchus. Cosmo Bacchus et Cosmo parce que voilà. Parce que la Lune et parce que les planètes.
Et donc, mais c'est vrai que la Lune, elle attire les océans. Alors, voilà. Si elle attire les océans, c'est qu'elle attire l'eau. Alors, du coup, elle attire l'eau dans les plantes. C'est ça. Et les plantes poussent davantage. C'est ça. Je connais des gens qui ont fait des études en biologie végétale. Et qui, oui, bah oui, les plantes, 90% d'eau, donc, comme la Lune attire l'eau. Ouais. Comme et, toi, toute ton eau, quand il y a la pleine Lune, elle se retrouve dans ton cerveau. Et les cheveux poussent plus vite. Bon, alors, et ils blanchissent aussi. Du coup, si la Lune attire l'océan, c'est pas qu'elle attire l'eau, c'est qu'elle attire la masse et que l'océan il peut bouger, alors que la Terre non. Donc, cette idée que la Lune attire l'eau, elle est fausse. C'est que la Lune exerce une attraction gravitationnelle sur tout, et donc elle attire pas plus l'eau de la plante que ce qui est pas de l'eau dans la plante. Bon, on s'en met de ce côté, mais elle pourrait avoir d'autres influences, etc. Est-ce qu'on a pu faire évoluer cette doctrine de Steiner? Est-ce que tu as connaissance d'éléments qu'on devrait corriger? Parce que, après tout, non. Darwin, en 59, sort son grand bouquin, il fait plusieurs éditions, ce qui se corrige. Depuis, on a découvert la génétique, donc on a mis à jour le truc. On a découvert l'épigénétique, on a remis à jour le truc. Donc la biologie évolutive de maintenant n'a rien à voir. Elle est quand même très, très, très différente de celle de Darwin, parce que c'est de la science, et du coup, on sait bien que Darwin, sans rien lui retirer, c'était un peu un génie, il n'avait pas tout bon. Il avait toutes les clés, de toute façon. Voilà, et on a découvert des choses, donc on met à jour. En biodynamie aussi, je suppose. Et bien sûr, non, en fait, non. Alors, en biodynamie, on n'a rien mis en plus en 100 ans, presque 100 ans, à part d'avoir théorisé toutes le zodiaque. Voilà. Donc Rudolf Steiner, il parle des planètes, du zodiaque, du passage de la Lune devant les constellations. Et Maria Thun, qui est une biodynamiste connue, elle a théorisé ça. Théorisé ça dans un bouquin qu'elle a publié, quoi. Ça ressemble un peu à ça. Ceci est un livre. Voilà. Avec une dame sur la couverture. Voilà. Ça, c'est Maria Thun. C'est pas un poireau, comment ça s'appelle? Alors ça, c'est un butternut, non? Un butternut, hein, c'est pas du tout un pro. Toi, t'es de la campagne. Comme t'es prof. Hein, je reviens à la campagne, j'étais plus dans ma chambre que dans le jardin. Ok, donc... Donc, bon. elle a théorisé tout ce qui est influence du zodiaque sur la pousse des plantes, et c'est elle, notamment, c'est d'elle qu'on tire tout ce qui est jour-fruit, jour-feuille, jour-racine et jour-graine. Voilà. Donc, Jupiter, Vénus, Uranus, Air, Lumière, Gemini, Libra, Aquarius. Voilà. Donc, ça fait un peu ouvrage magique. Hein, si t'as une baguette de sorcier, là, on peut peut-être faire des... comme Harry Potter. Et là, voilà, là, tu vois que le matin, le sol expire, et l'après-midi, le sol inspire. Et c'est ce qui est représenté, là, sur ce que t'as montré. D'accord. Voilà. Alors, moi j'ai fait végétal un peu dans ma carrière. Voilà. J'étais pas au courant que le sol inspirait et expirait. Il faut te mettre à jour. Bah, évidemment, il y a une biofaune du sol où on a de la respiration, mais c'est pas aspiration. Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Voilà. Donc ça a été mis à jour. Ça fait référence. Ça fait référence. Voilà. Et donc, cette dame, elle a théorisé tout ça à partir de ses observations qui sont parties du cours aux agriculteurs. Okay. D'accord. Voilà. Donc on est parti du cours aux agriculteurs jusqu'à Maria Thun, et maintenant on a tout ça. On a un agenda. Voilà. Donc ça a amené plein de listes. Et donc agenda pratique du jardin 2019. Oh, il date un peu. Ouais, il date un peu. Je vais pas le racheter chaque année. Du coup, on dit quand planter quoi. Voilà. Ça pourrait être parfaitement correct. Mais oui, ça pourrait. Ça pourrait. Et donc en fait, sans le savoir peut-être. Dans les grandes jardineries, Jardiland, etc., hein, oui. Et ben, on vend des ouvrages qui sont anthropomorphiques. Ah oui. Bah, si vous allez à Nature et Découverte, il y aura certainement des trucs de ce type-là. Hein. Nature et Découverte, oui. Il y a même des bouquins sur la sorcellerie. Je ne vous félicite pas, Nature et Découverte. Enfin, il faut que les gens puissent acheter ce qu'ils veulent, hein, mais je ne comprends pas l'idée de mettre un bouquin de sorcellerie dans un magasin de Nature et Découverte. C'est l'aura bien-être. Mettez des bouquins qui parlent de la nature par des gens qui la connaissent parce qu'ils l'étudient. Je veux dire, ce serait tellement moins con. Voilà. C'était mon petit quart d'heure de méchant. Donc, ok, donc il y a des mises à jour. Ouais. Mais sans validation par les pairs. Tu vois, ça se met à jour tout mais seul. Est-ce qu'on a des anthroposophes actuels qui disent là, Steiner s'est trompé? Non. Jamais. T'es sûr? Ouais. Alors, si vous avez
Ouais, je suis prêt à prendre. Messieurs les anthropozoques, messieurs et mesdames, la preuve qu'il y a des gens chez vous qui font autorité dans votre milieu et qui montrent, corrige Rudolf Steiner, ça serait de nature à nous inciter à ne plus dire que votre mouvement est une dérive sectaire, que ça montrerait que vous prenez de la distance avec votre gourou, donc qui n'est plus un gourou. Mais en l'absence de ça, on va continuer à le dire. Et donc, alors, les protocoles, les théories, les machins, on va parler des préparations. Ouais. Et donc, c'est extrêmement connu. Voilà. On a la préparation 500. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, la préparation 500, la plus connue de toutes, c'est de la bouse de vache. Attention, ouais. Régie, caméra sur moi, bouse de vache, hop. Allez. Et c'est un jeu de mots en anglais, parce que bullshit, ça veut dire caca de vache ou de taureau. Donc, s'il avait été, il n'était pas anglophone, hein, Steiner, il était germanophone. Ouais. Et je ne pense pas qu'on ait un mot équivalent de bullshit en allemand. Ouais. Mais, s'il avait, mais ça aurait pu être un troll qui dit « Ok, vous dites que j'ai du bullshit, ben je vais faire du bullshit. » Et c'est ce qu'il a fait, en fait, avec sa préparation. Voilà, donc j'ai préparé le terrain. Maintenant, dis-nous ce que c'est. Et en parlant de troll, il n'y avait pas de troll dans les êtres élémentaires de Steiner. C'est dommage. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc on prend une bouse de vache, c'est hyper, hyper cadré, hein. Il faut prendre une bouse de vache qui est de belle forme, okay. Qui a une odeur un peu épicée. Okay. Il y a des critères comme ça de comment ça s'appelle organoleptique, c'est sur ça. La qualité de la bouse que tu dois récupérer. Parfait. Il faut qu'elle ait un petit vernis dessus là. Ça c'est le mieux. Ça c'est le top du top. Le petit vernis. Ouais, quand est-ce que ça se forme, hein. Donc on récupère cette bouse encore fraîche. Donc c'est mieux. Hein, et on va la fourrer dans une corne de vache. D'accord. On met le caca de la vache dans la corne de vache. Mais d'abord, il faut qu'on retire la corne de la vache. Oui. Voilà, la vache soit morte. Hein. Et il faut que ce soit une vache qui est gestante. C'est le mieux aussi. Alors, en fait, quand la vache, elle rumine, elle va attirer en elle toutes les forces du cosmos par ses cornes. Mmh. D'accord. Qui sont centrées vers son acte de rumination, si tu veux. D'accord. D'accord. Après, c'est vrai. Voilà, il faut ouvrir ton esprit. Les cheveux captent aussi des énergies. Ouais, mais moins. Il faut qu'ils soient vraiment blancs et bien vitreux. Pas encore. Et donc, cette corne de vache, elle va rayonner à l'intérieur de la vache. Et on imagine bien que quand on récupère la corne sans la bouse, ça va rayonner dans rien du tout. Donc, on prend la bouse, on la met dedans. Et tout ce qui a attiré les forces cosmiques va rayonner dans la bouse de vache. Et ça, il faut l'enterrer, bien sûr, tout en hiver. Où ça? Sous terre, un endroit... Enterrer sous terre, merci, oui. Il y a des endroits... je ne les ai pas en tête, les endroits précis, mais sur la parcelle agricole, tu as un endroit qui est dédié aux cornes. Tu as un autre endroit qui est dédié à ce qu'on verra tout à l'heure. Oui. Mais voilà. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as enterré tes cornes, t'attends donc tout l'hiver. À la fin de l'hiver, tu vas te déterrer. Tu vas récupérer ce qu'il y a dedans. Hein. Donc normalement, si ça a bien marché, si ça a bien été touché par les forces de l'hiver, tu vas avoir une bouse qui est un peu sèche. Okay, un peu dure, un peu sèche. Oui. Voilà. Tu récupères ça. En gros, c'est quand même un petit peu toujours de la bouse. C'est toujours de la bouse, on est d'accord. Allez. Voilà. On récupère ça et on prend 100 grammes de ça. 100 grammes. 100 grammes, hein, précis. Entre 60 et 80, ça peut aller jusqu'à 100 grammes. Voilà. D'accord. C'est ça. On en prend 100 grammes, on la met dans 35 litres d'eau tiède. 35, ouais. Ok. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à mélanger. D'accord. On va voir. Ah, mais c'est de l'eau de pluie ou pas? C'est de l'eau de pluie, c'est mieux. Ah oui, mais tu l'as pas dit, alors, parce que l'eau tiède, c'est pas... C'est toutes mes excuses. C'est rare que l'eau de pluie soit tiède, donc comment on la chauffe? Eh bien, on la chauffe avec un réchaud. D'accord. Et à la fin de l'hiver, bon, ben, si tu la laisses un peu au soleil, peut-être que ça va être un peu tiède, voilà. Ouais. On imagine. Je sais pas trop, je sais pas très dans compliqué. Le sud, ici... Le protocole n'est pas extrêmement précis. Donc on a cette bouse qu'on met dans de la flotte et on agite. Et on agite. Donc, le mieux, c'est d'agiter à la main.
Parce que tu vas donner une intention à la bouse. Oui, disons deux formes, disons scalaire, Voilà, évidemment. évidemment. Et donc à la main, c'est mieux. Pendant une demi-heure dans un sens, Ah okay, tu fais un vortex en fait. oui. Tu dynamises. C'est là que ça vient. Il faut La créer un vortex. Voilà, biodynamie, il faut un c'est ça. vortex. Voilà, parce qu'on dynamise. Voilà. Et je rappelle que le principe de la dynamisation, il vient tout droit de l'homéopathie. C'est Hahnemann et compagnie. Steiner était inspiré par ces idées-là, quoi. Oui. Et Il a bien le droit. oui. Donc tu le fais soit avec un bâton, soit avec la main, Ah là, c'est exactement. mieux, d'accord. Voilà, Donc la une main heure vient en mieux. tout, il Une heure, faut. hein. Donc une demi-heure Alors, dans un sens, une ce demi-heure qui dans est bon l'autre. pour la santé dans un sens. Hein. Ouais, enfin, que sur un bras, Bah, il faut écoute. changer de bras, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, ce qu'il existe, c'est des outils pour ça, hein. Et ça, c'est complètement absurde parce que Ahriman Ah ouais. l'ange du mal est dans la machine. Oui, Donc, mais. ceux qui font la biodynamie et qui utilisent des machines pour faire la préparation n'ont pas compris la théorie. Et Ah. je pense qu'il y a des puristes qui se foutent de leur gueule. C'est plus sûr. Il doit y avoir des puristes Ah qui oui. leur foutent. Mais après, si la machine le fait, mais que toi tu es à côté pour Envoyer de l'attention. donner l'intention, ça D'accord. marche aussi. Oh, bah, c'est Voilà. bien. Non, c'est bien. Il y avait une faillite. Et il faut bien que les agriculteurs se facilitent la tâche quand même. J'ai rien contre, hein, mais c'est juste que par rapport à la théorie Oui, initiale, ah c'est pas oui. Non, raccord. c'est toujours mieux d'être proche de la nature. Mais oui. Et une fois qu'on a dynamisé ça, là, Oui. pendant 1 heure, on peut l'épandre sur son champ. D'accord? Donc les 35 litres, là, on va Oui. l'épandre sur à peu près 1 hectare. Ça fait combien de gouttes? Fait pas Ça beaucoup. fait pas beaucoup. Ça fait vraiment Et pas donc, c'est beaucoup. pour ça que je parlais Ouais. d'homéopathie en Donc plein champ. un hectare, c'est un peu plus grand qu'un stade de foot, par exemple. Donc, on fait Voilà, le c'est en portable et. pulvérisation au Ah. pied des plants, Ok. okay, pour favoriser la vie du sol. Voilà. Donc on est dans une pratique qui, d'un point de vue d'agronomie classique, a Ouais. l'air complètement farfelu. Complètement farfelu dans le sens où si on accepte que l'eau n'a pas de mémoire. Bon, mémoire de Hein, l'eau, c'est. homéopathie, va. Mais ça pourrait marcher Ah sans oui, qu'on ça. comprenne comment ça marche. Tout à fait. Donc on verra dans la partie Ouais. 3 qu'est-ce que dit la science dessus. Donc ça c'est la préparation en 500. Et la 501 elle est un peu différente. C'est quoi la La différence? 501, ce qu'elle a de différent, c'est qu'à la place de la bouse, on va mettre du quartz dedans. Donc du quartz pilé très Mais du finement. quartz pilé dans les cornes de vache. Voilà. Donc pareil, ça va vivifier. Hein, et ça, on l'enterre, mais pas en hiver. Hein. Faut bien qu'on fasse un truc en été. On le fait en Ah, été. Voilà, c'est histoire pour de. alterner, d'accord. Voilà. Et ça, après, on n'en prend pas 100 grammes. On en prend 4 grammes 4 grammes, dans 35 litres. toujours 35 litres. Voilà. Et ça, on l'épand en Paris sur 1 hectare. Mais sur les feuilles, par contre. Parce que ça va attirer les rayons du soleil. Parce que le quartz, Voilà. d'accord. Voilà. Parce que t'es que le cycle quantique. Voilà. Ok. L'importance d'être valide de toute façon. Hein. Bon. Il y a aussi, on va parler maintenant, le poivre du mulot. Il y a d'autres préparations avant. Tu veux encore? Allez, vas-y. Ouais. On ne peut pas tout faire non plus, mais vas-y. Ouais, mais il y en a deux, trois Alors qui vas-y, sont parce que moi, sympas. j'ai pas révisé. En fait, il y a un truc qui me gêne aussi dans la communication de Déméter. Dans la communication de Donc Déméter. Déméter, qu'est-ce que c'est? Alors, Déméter, c'est. Oh, oui, c'est vrai qu'on n'a pas présenté On n'a les pas parlé des labels. labels, ouais. Alors, en biodynamie, il y a trois labels importants. Enfin, les trois principaux, en fait. Il y a Déméter, Biodivin, qui s'occupe que du vin, et la Renaissance des appellations. C'est Ça, c'est le trois labels Renaissance des qui. appellations. Très bien. Qui certifie, c'est les marques de la biodynamie. Et sur le site Déméter, quand on va, je vous invite à le faire en même temps, hein, quand vous allez sur le site internet de Déméter, vous tapez sur qu'est-ce que la biodynamie, vous allez tomber sur tout le laïus sur la biodynamie, et sur la gauche, il va y avoir des onglets avec les préparations biodynamiques. J'y vais en même temps. Si vous voulez, je vous Regarde-moi invite. aussi. Pardon pour le jingle. Alors, sur les préparations biodynamiques, vous allez voir donc les préparations ajoutées à son compost. Et là, vous allez avoir La 502, la 503, la 500. voilà. Pourquoi 500, on sait? Alors, c'est comme ça que ça a été appelé à la base. Parce que le 5, c'est ça. Bah, à la main, Je le ne sais pas 5, si c'est pas ça. une question d'abréviation à la base, mais j'en sais ça. D'accord. Oui, d'accord. Et donc, on a donc les 502 jusqu'à Achillée 507. millefeuille, Voilà. camomille, matricaire, Ouais. ortie, écorce de chêne, pissenlit, C'est ça. valériane. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est montré sur le site Déméter. On est d'accord? Sur le cahier des charges Déméter, c'est tout autre chose.
En fait, ces élixirs floraux là qu'on présente que, parce que ça a une aura de bienveillance, hein, c'est des plantes, des tisanes de plantes, on pourrait se dire c'est bien, c'est naturel, ça va traiter mon champ, mon compost, c'est nickel. Bah, c'est quand même mieux que de mettre du Roundup, hein. Voilà. Et on n'est pas à la solde de Monsanto, Bayer. Exactement. En fait, ces trucs-là, l'exemple de la Chilée millefeuille, elle est introduite dans une vessie de serre. Ok? On Redis-moi fait. ça. En fait, la Chilée millefeuille, là, Donc c'est une est plante. une plante. Donc c'est bien. Voilà, c'est bien. On va l'accueillir. Ça, c'est important. On accueille. On l'accueille en jour fleur, puisque c'est une plante à fleurs. Ok? On récupère les ombelles C'est quoi un de. jour fleur? Un jour fleur, c'est quand la lune est devant la constellation du Verseau, par exemple. D'accord. Bon, Voilà. je vais prendre des notes parce que c'est quand même assez... Non, mais c'est hyper Voilà. technique. Alors, Donc ça, c'est tout. tout, juste pour dire, c'est que, Ouais. évidemment, quand vous avez un bouquin qui fait autorité, qui vous donne plein de critères comme ça ressemble à un protocole. On se dit, si c'est écrit, c'est pas pour rien, donc on va le faire. Et donc, ça donne l'illusion que les gens savent de quoi ils parlent et que on sait ce qu'on fait. Et donc, le charlatanisme passe souvent par ce type de truc. Voilà, où il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison, mais le simple fait de croire qu'il faut le faire, ça améliore le résultat parce qu'on y croit davantage. Bon. Et donc il faut une vessie de Ouais, serre. donc une vessie de Il est serre. consentant? On imagine que non. Oui. Hein? Et donc cette vessie de serre, on va lui introduire ses fleurs dedans et on va la faire sécher, exposer au soleil. Donc là, on Okay. va pas l'enterrer. Donc dans des fermes biodynamiques qui produisent eux-mêmes leur préparation biodynamique, normalement, il devrait y avoir un espace où il y a des vessies de serre qui sont exposées avec des fleurs dedans. Voilà. Pour te donner un peu l'idée. Mais peut-être qu'on peut l'acheter, peut-être qu'il y a des laboratoires Velleda qui vendent ça. Il y a des laboratoires, enfin il y a des laboratoires, en tout cas des producteurs de préparations biodynamiques, où on D'accord. peut acheter des préparations biodynamiques déjà toutes faites. C'est C'est peut-être pas une. l'esprit, mais C'est d'accord. pas l'esprit, parce que l'esprit de la biodynamie, c'est dans un système agricole fermé, en autoproduction, etc. Là. C'est pas tous les familles qui ont une vessie de serre à... On peut demander aux chasseurs du coin. En ce moment, les chasseurs, c'est un sujet. Ouais, Voilà, peut-être. je pense qu'il faudrait. J'aimerais qu'ils arrêtent de tuer les randonneurs. Oui. J'aimerais. Après, les animaux aussi, mais les randonneurs aussi, s'il vous plaît. Will Steiner n'a rien dit sur les vessies de randonneurs, par exemple. Et donc, pour. Coup de bol. Donc, ça, c'est donc la vessie. Il y a la Ok. P505 qui est pas mal aussi. Ok. La P505, normalement, là, tu Écorce dois. de Voilà, chêne. écorce de chêne. C'est pas mal, écorce de chêne. Renforce l'immunité des plantes Ouais. contre les Ouais, maladies. c'est C'est pas très prophylactique. spécifique, mais C'est pourquoi prophylactique, c'est pas? pas mal. Hein. Alors. Donc on récupère du chêne, C'est hein, des bien. écorces de Mais chêne. c'est naturel. Il ne faut pas entailler trop l'arbre pour pas le blesser, bien Ben non, il faut évidemment. pas. Et ce chêne, on va le râper très finement, très Et finement, très pareil, finement. chêne, lequel? Parce qu'on a une chier d'espèces de chêne. Alors, c'est Bon, il n'y a pas de précision, donc celui que tu as un sur ta parcelle. quercus de votre. Ouais, D'accord, celui que tu as continue. sur ta parcelle, Bon. c'est bien. Et donc on va râper finement cette écorce de chêne. Et là, on va prendre un crâne d'animal domestique. Selon la réglementation en vigueur, hein, c'est sur le cahier des charges. Selon la réglementation en vigueur. On va lui introduire cette écorce de chêne. Et ensuite, ça, on va l'enterrer Dont dans un un endroit crâne de humide. chat ou de chien, en gros. Alors, en. Domestique, non, je sais pas. En ouais, c'est domestique, c'est. En général, c'est du cheval, du cochon ou du mouton. Donc pas de Mais. lavage. Non, ah non, surtout pas de la vache. Ah, Surtout pas la vache, on lui prend déjà les cornes et tout, on ouais. va pas prendre le Donc mouton. cochon, cheval, mouton, Voilà. ou chien ou chat. Voilà. Ok. Ou lapin, hein, si t'as une petite ferme, tu peux prendre un lapin, à la Ok, limite. mais c'est pas un petit crâne, c'est pas Ouais, voilà, c'est. bon. Ou alors il en faut plusieurs. Oui. Bon, et est-ce qu'on sait pourquoi il faut un crâne d'animal? Oui, il s'est marqué là-dedans. Donc en fait ça va attirer les forces cosmiques et c'est toujours pas en fait c'est toujours la même chose, ça va attirer les forces Ouais. cosmiques dans la préparation qu'il y a à l'intérieur du crâne. Et ça c'est les justifications de Steiner. D'accord. Donc évidemment, c'est compliqué de mesurer les forces cosmiques. Je ne connais pas de... À part d'un pendule, évidemment, à l'ébauvis, mais on n'a pas de protocole vraiment où on peut mesurer ça de manière reproductible, fiable. Et je suppose que ça faisait beaucoup embêter Steiner et que depuis, ils ont fait beaucoup d'efforts pour les mesurer. Oui, et on n'y arrive toujours pas, hein, d'ailleurs. Ah. Et
Et d'ailleurs, on l'a pas dit, les préparations là, biodynamiques, celles dont on vient de parler, quand on déterre les crânes ou quand on récupère les vessies, on prend ce qu'il y a à l'intérieur, on prend 2 grammes, okay, qu'on met sur un tas de Les compost. 2 grammes, je pense, c'est ce qu'il avait Steiner aussi pendant la conférence. Je sais pas parce qu'il aimait pas le vin, Steiner. Ah, bah, Voilà, c'était donc autre chose alors. il voulait pas. Moi, en plus, j'aime pas trop le vin, mais c'est pas grave. On prend 2 grammes pour. Pour le mettre dans son tas de compost. Ah, dans le compost. Voilà. Donc, dans un tas de compost de 8 mètres, on va mettre 2 grammes de chaque préparation. Ah, d'accord, on met tout Voilà. ça ensemble. Voilà. Ah Donc, oui, pas patron du compost, ouais, c'est vrai. voilà. Et donc, ça va agir sur le compost. Donc, ça va prévenir les maladies, ça va agir sur le phosphore, sur la silice, sur le calcium, etc. D'accord. Bon, alors, Voilà. moi je veux bien tout ça, c'est pas un problème, mais il faudrait que ça marche, on va en parler juste après. Il y a problème quand même de l'éthique, et notamment parce que on a ça. Donc il y a beaucoup Ah, voilà. de viticulture en biodynamie. Donc là, c'est un vin biodynamique. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un vin qui est. Enfin, c'est une clairette de Die qui est estampillée donc Déméter. Et au-dessus, on a le label vegan. Vegan. Voilà. Donc moi je me demande si. Alors je rappelle ce que c'est que Ouais. vegan. Donc vous avez les végétariens qui ne mangent pas d'animaux. Et les vegans sont des gens qui ne veulent pas qu'on exploite les animaux. Donc il ne faut pas que dans le processus de production, voilà, genre ce portefeuille-là, si c'est du vrai cuir, c'est pas vegan. Hein. Si vos chaussures et du cuir, bah, c'est pas vegan. Même sans le manger, c'est pas vegan parce que vous exploitez. Il faut tuer l'animal pour ça. Et donc là, si. En agriculture, il faut que je récolte de la bouse de vache en gestation et que je la mette dans des cornes de vache plutôt en morte. Hein. Voilà. Bah on exploite l'animal et en plus il faut le tuer pour avoir la corne. Donc je trouve qu'il y a une petite contradiction. Ouais, je trouve qu'il y a un paradoxe un peu flagrant entre les deux labels, en tout cas Déméter et Vegan. Oui. Parce que le V-label, c'est aussi un label. Donc il y a du marketing derrière, Ok. comme Déméter. Et je suis pas sûr que nos amis vegan, qui ne connaissaient pas avant l'agriculture biodynamique, sont ravis de savoir qu'on utilise des vessies de cerf, des mésentères de bovins et des crânes Et du d'animaux. poivre du mulot qui est le pire, on va en Et parler du maintenant. poivre de mulot. Parce que le poivre du mulot, là, c'est pas vegan du tout. Ouais, le poivre de mulot, donc ça. Il sert à quoi lui? Alors, J'ai pas redonné. lui, c'est simple, attends. À faire fuir les rongeurs de À la. Oui, faire c'est fuir les ça. mulots. Homéopathie. Eh ben oui. On est sur un. Et mais ça, par contre, c'est pas obligatoire. Les préparations biodynamiques Les sont autres? obligatoires. Ah, donc du 502 à 507 sur le compost, c'est Ouais, obligatoire. Donc c'est tous ceux obligatoire. qui font biodynamie doivent utiliser Ouais. des vessies de cerf et des Ouais. mésentères de taureau Ouais. et du De trou du cul de bovin. chameau, etc. C'est Donc ça, ils c'est sont ça. obligés. Après, le chameau, je suis pas sûr, mais Peut-être pas, pas. j'ai Ouais. inventé, mais le Voilà. reste, c'est obligé. Ouais. Ouais. C'est obligatoire. C'est stipulé sur le cahier des Donc ça ne charges. peut pas être vegan. Donc ça, selon moi, ça ne peut pas être Bah, vegan. selon moi aussi, on est deux. On est Bah, 100% dans la pièce à penser ok. que ça ne peut pas être. Vous en pensez quoi? Ce soir, le live est réalisé par Alice et Corentin. On fait des petits cœurs dans le chat pour eux. Et vous pensez que ça peut être vegan ou pas? Ils pensent En plutôt que plus, ils ont non. goûté les tomates demi-séchées Déméter, Ouais. La demi-sèche. avec un petit retour de vessie. Ah! Ouais, c'était ça le goût. Ouais. Bon, bref, donc ça pour dire que y a beaucoup de Ouais. communication. La communication, c'est légal, il n'y a pas de problème. Sauf que lorsqu'on a des labels qui sont censés respecter quelque chose, les végans ne devraient pas avoir envie de mettre leur label sur une production qui ne peut pas Je être suis végane. d'accord. Et pour revenir au poivre de Alors mulot, allons-y. alors, le poivre de mulot, déjà, Rudolf Steiner, pour lutter contre les maladies, il va sacrifier des animaux ou sacrifier ce qui fait la maladie. Donc, le mulot, si on imagine que c'est la Attends, maladie à du part le champ, mulot, non, non. Par exemple, qu'est-ce qu'il sacrifie pour un d'autre? criquet, tu vas Oui. sacrifier un criquet. Tu sacrifies un Ouais, criquet, pour lutter contre les criquets. mais tu fais Tu. comment? Enfin, tu te mets Attends, face à la pleine lune, tu prends un couteau, je vais te lire le truc sur le tu le mulot, mais crucifies? Qu'est-ce que tu fais avec ce c'est criquet? encore mieux. Attends. Alors, car il s'agit d'exécuter avec cette dépouille de mulot quelque chose de tout à fait précis. Donc déjà, le mulot, là, il est déjà mort. Il Hein. est On déjà l'a mort. tué. Bon, Voilà. voilà, au moins il souffre plus, Voilà. bon. Nous nous procurons cette dépouille de mulot au moment où Vénus se trouve dans le signe du scorpion. Okay. Et nous brûlons alors cette peau.
Nous recueillons soigneusement ce qui se développe maintenant du fait de la combustion. De la combustion. Les cendres, très généralement les composants qui retombent. Ok, donc on brûle. Oui. Voilà. Il n'y en aura pas beaucoup, mais si on a un certain nombre de mulots, il y en aura assez. Ce qu'on obtient par là sera suffisant. Et on obtient maintenant cette dépouille de mulots incinérés au moment où Vénus se trouve dans le scorpion. Il aime bien se répéter. Et dans ce qui est détruit là par le feu, subsiste maintenant la force négative par rapport à la force de reproduction du mulot. Si maintenant vous répandez le poivre ainsi obtenu sur vos champs, les choses deviennent naturellement difficiles dans certaines contrées, mais vous pourrez alors faire cela d'une façon plus homéopathique encore. Ce n'est pas toute une assiette à soupe pleine de poivre qu'il vous faudra, à condition que ce poivre ait été conduit comme il faut, à travers le feu, lors de la grande conjonction de Vénus et du Scorpion. Vous aurez là un moyen grâce auquel les mulots éviteront ce champ. Rudolf Steiner, le cours aux agriculteurs. Donc il faut que Vénus soit dans le Scorpion. Voilà. Et on prend un mulot mort, on le brûle. Il n'y a pas d'opération avant qu'on le brûle ? Non. On le brûle direct comme ça. Comme ça. Et c'est censé... Bon, on prend le temps que vous intégriez le concept, que ce n'est pas des bêtises, on n'invente pas. C'est vraiment dans le cours agriculteurs de Rudolf Steiner. Et c'est le remède contre les ravageurs, contre les rongeurs qui sont un problème pour droit. Les rongeurs peuvent causer des soucis. Et en fait... C'est repris par Maria Thun après. Donc elle fait la même chose avec les limaces, par exemple. Elle fait du poivre de limace. Voilà. Elle les fait tremper dans de l'eau pendant toute une nuit. Donc après, elles vont être dissoutes dans de l'eau. Et elle épand ça autour de ses salades. Elles sont dissoutes dans de l'eau. Voilà. Comment elle les dissout? Il prend un mixeur quelque chose. Ouais, elle fait du purin de limace, en fait. Et je vois qu'il y a un petit scorpion, mais c'est toujours sous scorpion. Ouais, c'est toujours précis. Hein. Bon, donc bon, on en est à ce niveau-là. On est, alors, je vais utiliser la présentation. On est dans de la sorcellerie, homéopathie, co-astrologique. Et il y a pas, vous avez bien le droit d'y croire. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent croire, mais est-ce que vous le saviez? Si vous ne le saviez pas, il faut que vous sachiez. C'est quand même bien de savoir comment on s'en fait les choses. Parce que les gens disent, moi, je veux savoir ce qu'il y a dans le vaccin ARN. Ben, il y a de l'ARN, en gros, puis c'est à peu près tout. Mais en tout cas, c'est ouvert et vous pouvez y avoir accès. Mais demandez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans mes préparations biodynamiques? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quand est-ce? Comment? C'est-à-dire, ben, bon. Voilà. Et on va passer à la partie 3 sur le... Ben, qu'est-ce que dit là? On est en avance ce soir. On va très vite. C'était très efficace. Ça, on en a parlé. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé dans la régime? On est pas mal. Excuse-moi, les commentaires? Garpera est un commentaire. Ah, excusez-moi, on me dit que quelqu'un... Ah, donc on salue quelqu'un qui est dans le chat, c'est ça. Donc, si il y a des questions pour quelqu'un, ben, posez-les lui, il pourra vous répondre dans le chat. Il va mieux depuis qu'il était libéré par la police voilà, pour cette affaire de racisme qui n'est pas le sien, qui est celui de M. Steiner. Alors, donc on s'est un petit peu moqué parce que ça nous paraît ridicule. Je suis partisan de traiter les idées ridicules par le ridicule, ça me dérange pas, mais après il faut quand même se dire, bon, ils disent tout ça, c'est des gens qui sont sur le terrain, après tout ça pourrait marcher, après tout Pierre Rabhi en a fait de la réclame partout, il y a des ministres qui y croient, il y a des chercheurs à l'INRA qui y croient, qui en parlent, c'est pas tous des imbéciles, moi je ne connais pas plus qu'eux. Bon, alors, je suppose donc que des gens se disent, moi j'y crois, je vais tester, et qu'on a des papiers. Ouais. Ça existe. Il y a des papiers. Super. Sur la biodynamie. Alors, on pourra parler science. Alors, ouais. Il y a des très bons papiers sur la biodynamie, et il y a des très mauvais papiers sur la biodynamie. Après, je ne suis pas juge sur la qualité des papiers, mais on va voir ensemble qu'il y a des petites anecdotes un peu croustillantes. Il y a un papier qui a l'air assez bizarre, que l'amener, lui, je ne parierais pas ma chemise dessus. Ouais. Mais peut-être mieux. Qu'est-ce que tu parles de bien? Alors, il y a une revue qui fait référence, okay, qui s'emploie à prendre toute la littérature qui s'est faite sur la comparaison entre agriculture biodynamique et agriculture biologique. Okay. Okay. Et de voir s'il y a vraiment des différences ou pas. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Ça date de 2013, c'est Linda Schalker-Scott qui fait ça, qui a aussi d'ailleurs un blog sur les idées reçues en horticulture, donc qui est un peu dans cet esprit-là. Mmh. Et elle conclut sur il n'y a aucune différence entre l'agriculture biodynamique et l'agriculture biologique sur tout un tas de paramètres agronomiques.
Donc sur les rendements de différentes variétés, sur la microbiologie des sols, sur la protection des cultures, etc. Okay. Donc elle, elle dit, bon, ok, l'agriculture biodynamique, c'est de l'agriculture biologique plus un soupçon de, plus des, d'occultisme, des critères en plus, ouais. Voilà, des préparations, des cycles de la lune, etc. Est-ce que ces critères-là marchent ? S'il marche, c'est dans l'œil de celui qui regarde, quoi. Voilà. Si okay. ça marche, c'est du domaine du subjectif, et en tout cas, la science est claire dessus, il n'y a pas de différence. Et le, comme le subjectif, c'est très important en viticulture... Et en biodynamie, et en anthroposophie, plus généralement. Oui, parce que le rendement, pour des patates, c'est le rendement, mais pour du vin, c'est autre chose. C'est le goût. C'est le goût. Ouais. Donc si on veut croire, si on vous fait, goûter deux vins, on vous dit, il a un, il est biodynamique, et qu'on vous raconte une histoire depuis, le goût va changer. Ouais. Et il y a une célèbre expérience là-dessus où on fait goûter à des étudiants du vin blanc qu'on a maquillé en rouge et ils vont le décrire à la manière de ce qu'ils décriraient pour un vin rouge. Ouais. Ça, je trouve ça incroyable. Comme, à quel point la vue peut biaiser notre raisonnement. Il y a un restaurant, je crois que c'est sur Paris, qui propose un blind test aux gens. Que, t'as un gobelet opaque, tu ne sais pas la couleur, et si tu devines ce que c'est, il t'offre le vin pour la soirée. Ouais. Et bam, c'est que, du coup, j'étais là, moi je ne bois pas. Et une fois, c'était avec Thibaut, qu'on avait reçu pour parler des documentaires. Et, en fait, il n'était pas capable de savoir si c'était du rouge ou du blanc. Parce que quand on ne le voit pas, et quand on sait qu'on pourrait avoir les deux, ouais, on ne sait plus distinguer aussi facilement, en tout cas, certains peuvent le faire. Ouais. Et donc, il n'a pas trouvé, alors qu'il s'y connaît beaucoup. Et donc, voilà, la vue. Un impact sur le goût, l'odorat aussi, et l'histoire aussi, et ça c'est fort. L'histoire qu'on vous raconte sur quelque chose, Ben and Teller ont une émission qui s'appelle Bullshit. Allez. Je m'arrête. et ils ont un épisode, c'est pas sur le vin, c'est sur l'eau. Ouais. Pour comparer l'eau minérale à l'eau du robinet, et donc ils ont, dans un restaurant, ils présentent à des gens une bouteille, donc une très belle bouteille, on leur dit c'est Château du Robinet. Comme c'est des Américains, Château du Robinet, waouh! Et donc ils boivent de l'eau du robinet, quoi. Ouais, et on leur compare à d'autres, et, non, là, quand même, et là, alors là, oui, on sent la montagne. Bon. Parce que c'est des gens normaux, c'est pas des crétins. Donc si vous goûtez du vin biodynamique et que vous le trouvez meilleur, c'est pas que vous êtes bête. C'est que l'histoire qu'on vous raconte, elle altère comment vous voyez le goût. Et c'est pour ça, sans doute, que c'est dans ces produits-là qu'on a beaucoup plus de sujets, parce que l'histoire du terroir, elle est davantage dans le cerveau que dans la bouteille. Mais à la manière de quand tu cultives tes tomates dans ton jardin, tu vas les trouver encore meilleures que quand tu les... Voilà, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc les gens, là, dans le chat, est-ce que c'est un effet contextuel, le goût du vin biodynamique? Probablement, très certainement oui, il y a peut-être autre chose, mais quand on compare, on ne trouve pas. Ouais. Et dans la composition, en tant que telle, je ne suis pas sûr qu'on ait vu... Non, il n'y a pas de différence. Par contre, on a déjà... Il y a une publi qui a été déjà reprise par un célèbre journaliste au Monde, journaliste scientifique au Monde, qui parle justement du goût des vins en biologique et en biodynamie. Oui. Et ce papier conclut sur les vins biodynamiques sont meilleurs en goût. Oui. Et en fait, quand on regarde un peu comment ça a été fait, ça a été fait avec des indices de notation. Il y a le Gold Mio, etc. Tu sais, les guides. Oui. Et deux des trois guides, parce qu'il y en a trois qui ont été utilisés, deux des trois guides sont faits juste en aveugle, pas en double aveugle. Donc on a raconté d'abord l'histoire au goûteur. On leur a dit qu'ils allaient goûter des vins biologiques ou biodynamiques, et ensuite ils ont donné leur notation. Tu vois. Donc, je t'ai perdu. Alors, je reprends. Alors, ce papier, il compare les notations de trois guides de dégustation de vin. Très bien. Sur deux des trois guides, en fait, ce n'est pas des dégustations en double aveugle, c'est des dégustations en simple aveugle. Donc, celui qui sert, il sait ce qu'il sait. Celui qui sert. Donc c'est ce qui sert, et donc il va pouvoir influencer. Mais il raconte pas. Non, il raconte pas, mais dans son paraverbal, voilà. Dans son un contexte. Sans que ce soit quelqu'un de malhonnête, c'est juste que comme il sait, l'influence sera peut-être
faible, mais on sait là. Qu'elle existe dans le médical. On sait, donc là, il fallait prendre des précautions et ça n'a pas été fait. Après, ça n'empêche pas de dire que les viticulteurs en biodynamie, ou en tout cas les agriculteurs en biodynamie, sont des gens qui font très bien leur travail et qui sont peut-être plus sensibles à ce qui se passe dans leur champ. C'est peut-être des gens particulièrement investis et qui font ce choix-là, mais qui en font d'autres à côté. Et moi, ça me pose aucun problème là-dessus, tu vois. C'est quand même la personne qui dit, moi, maintenant, j'ai, pour ma santé, j'ai décidé, je prends un peu de vitamine C tous les matins. Et après, je fais du jogging, du vélo, de la piscine. Mais la vitamine C, depuis que je la prends, ça va beaucoup mieux. Parce que quand on fait un acte, en général, il y en a d'autres. Mmh. Et donc, c'est contextuel. Et ça, il faut en tenir compte. Mmh. Et toutes les études qui n'en tiennent pas compte ne sont pas fiables. C'est ça. Est-ce qu'on en a des études fiables qui prouvent que la biodynamie a un intérêt, tu veux dire qui l'ont étudié proprement, tu as évoqué une, et qui montre qu'il n'y a pas d'effet. Parce que s'il n'y en a qu'une étude qui montre qu'il n'y a pas d'effet, même si elle est bien faite, c'est pas... En fait, c'est une revue qui justement agrège toutes les publics qui ont été faits en comparaison biodynamie et biologique. Ça, c'était en 2013. En 2019, je crois, il y en a une nouvelle qui est sortie, une revue aussi, uniquement pour la viticulture. Et pareil, c'est les mêmes résultats. Oui. En France, on a trois publics qui viennent de sortir là, dans les dernières années sur la biodynamie. Ça a été fait à l'INRA. Alors, il y a deux publics plus un projet qui est en cours. Le projet, c'est Ecovitisol. Donc, c'est un projet collaboratif avec des vignerons en biodynamie, en conventionnel, en biologique. Et ils s'intéressent à voir les relations entre les êtres vivants dans le sol, dans les différents parcelles, différentes parcelles. Et pour l'instant, c'est pas encore publié, c'est préliminaire. Les parcelles en biodynamie auraient de meilleures interactions dans leur sol entre les micro-organismes que des parcelles en biologique ou des parcelles en agriculture conventionnelle. On a un effet mesuré par des gens de l'INRA. De l'INRA. Comment il s'appelle ? Donc c'est Rangard qui fait ça. Pas pour Guignon. C'est pas pour Guignon, non. Lui, il est même plus allé. Oui, il est parti. Ouais. Ouais, d'accord. Donc voilà, il y aurait un effet dans les sols, sur la microbiologie du sol. C'est un projet qui n'est pas encore à terme, mais c'est encourageant de penser qu'il y a peut-être un effet mesurable là-dedans. Quoi. Donc ça, avec ma casquette de sceptique par rapport à ce que je me dis que c'est un peu comme pour le paranormal. C'est-à-dire que je ne crois pas au paranormal, et quand une étude montre qu'il y a un effet, deux possibilités, ou bien l'étude montre qu'il y a un effet, ou l'étude montre que même un protocole bien fait arrive à des résultats aberrants, de temps en temps, parce que statistiquement, ça arrive qu'on ait des choses. Et donc, c'est à chacun de savoir, c'est bayésien, est-ce que vous y croyez assez pour dire l'étude arrive à ce résultat, donc j'y crois. Vous dites, l'étude arrive à ce résultat, donc ça montre que le protocole, il n'était pas assez bien finalement. Moi, je serais plutôt dans ce cas-là, parce que dans la théorie telle qu'elle existe, il n'y a vraiment rien qu'on peut rattacher à des... On sait quoi. Donc, on sait pas des choses, mais il y a des choses qu'on sait, donc ça marche pas. Et par rapport à la bouche du sol, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Donc, une étude qui arrive à ce résultat, statistiquement, il fallait bien qu'il y en ait une qui arrive à quelque chose d'étonnant. Ça veut pas dire qu'ils ont mal travaillé, mais peut-être que du coup, c'est plus subtil et qu'il y a plein d'effets qu'on n'a pas été capable d'isoler. Oui. Est-ce qu'il y a des critiques dans ce sens-là ou est-ce que... pour l'instant, c'est préliminaire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de critiques et le compte-rendu n'a pas été rendu. Hein. Mm-hmm. Mais on pourrait dire quand même que. Tester ce genre de choses en plein champ, dans des conditions qui sont pas du tout maîtrisées en fait. Hein. C'est pas du in vitro, c'est du in vivo. Ça dépend du nombre de parcelles. Quoi. Voilà, et il y a des millions de paramètres qui peuvent rentrer en jeu sur la microbiologie du sol. C'est de la biologie, il faut faire plein de réplicas, sinon ça vaut pas grand-chose. Et il y a d'autres études qui ont montré qu'il n'y avait aucune différence entre une parcelle en biologique et une parcelle en biodynamique. Donc on n'est pas en train de dire que cette personne-là a mal travaillé. Pas du tout ça. Ouais. Le même Rangard a sorti récemment en 2021 une étude qui montre aussi que c'est une revue ou une méta-analyse qui montrerait que la faune du sol se porte mieux dans les parcelles en biodynamie. Toujours avec en conclusion ces pincettes qui sont mises sur entre
gros guillemets, est-ce que c'est attribuable à la biodynamie ou est-ce qu'il y a quelque chose que... On... Oui. Est-ce que dans la pratique voilà. Du monsieur ou de ses voisins... Il y a quelque chose qui pourrait expliquer... Voilà, parce qu'il y a tellement de choses auxquelles... Pensez à un magicien. Quand un magicien vous fait un tour, vous savez que ce qui se passe, c'est pas ce qui s'est passé pour de vrai, parce que vous avez raté le paramètre qui explique ce que vous avez vu. La science, c'est trouver le truc. Ouais, bon, voilà. Ouais. Et là, en l'occurrence, s'il y a un effet, soit ça, un effet, on finira par trouver comment ça marche, parce que c'est comme ça. Soit on finira par dire, ah, en fait, c'était à cause de tel paramètre de confusion. Oui, c'est très peu probable qu'on soit passé à côté s'il y a un effet de la biodynamie depuis 30 ans. Puisque... C'est ça le truc. Voilà. Et comme pour la télékinésie, les gens qui font les... Enfin, c'est arrivé, hein, pour les tests, ils prouvent que ça existe. Mais c'est pas la preuve que pour les autres, qu'on doit les croire. Quoi. Pierre Rabhi, qui nous a quittés, qui avait des qualités, mais pas que ça. Il avait une ferme, alors j'ai oublié où c'était, je sais pas, en Ardèche, il me semble. En Ardèche, ça, mais j'ai oublié le nom de la qualité, mais qui avait été visité par des sceptiques il y a quelques années. Et ils avaient Donc, parce que j'ai dit un truc important dans l'éditorial, c'est que l'agriculture doit nourrir les gens. Une agriculture respectueuse de l'environnement qui produit 2 radis, 3 carottes par mois, on va tous mourir. Alors peut-être que c'est le projet, peut-être que c'est bien par la nature. Si c'est votre avis, vous avez bien le droit de penser, mais si on veut considérer qu'il faut d'abord nourrir les êtres humains, et que c'est la priorité, il se passait quoi avec cette zone de bière ? Parce que j'ai l'impression que ça ne nourrissait pas grand monde. Alors, nourrissait pas grand monde, et puis c'était noyauté par l'anthroposophie et les idées de Steiner. À la limite, puisque ça vient de là, moi ça me choque pas, ils font la biodynamie entre anthroposophes. Mais si ils font la biodynamie entre anthroposophes et qu'ils mangent leur truc et qu'ils sont autosuffisants, ils ont prouvé quelque chose. Mais alors, dans la réalité. Dans la réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Et puis, on le voit avec les... Explique-nous le cas de la ferme. Sauf si c'est pas révisé ça. Non, j'ai pas... Moi non plus. Je comptais sur toi. Non, mais de toute façon, les fermes en biodynamie produisent pas des masses. On est sur du rendement de l'agriculture biologique. Parce que moi, j'avais lu... Le bio, on aime ou on n'aime pas, mais bon, c'est... On pourrait en parler un peu, parce que vu qu'on a pas le temps, on pourrait en parler un peu quand même, parce que les gens peut-être se demandent, on n'est pas là pour casser du sucre sur le bio. Mais j'avais lu un article écrit par des élèves qui avaient visité la ferme de Rabhi, c'était il y a plus peut-être 15 ans maintenant. Je n'étais pas né. Et, bah oui, petit. Et j'ai pas lu il y a 15 ans, mais j'ai lu qu'eux l'avaient fait il y a 15 ans. Et ils expliquaient qu'il y avait des gens qui venaient travailler sur la ferme, qui venaient en bénévole, on ne les payait pas. Alors que des gens qui travaillent dans une ferme, il faut les payer. Donc il faut vendre pour les payer. Sinon, vous mettez des prisonniers, si vous voulez, ou des bagnards, ou des esclaves. Vous pensez que c'est bien. Moi, je pense que c'est mieux que de ne pas faire ça comme ça. Donc, un, on ne les payait pas, c'était des bénévoles. Et ils produisaient des fruits et des légumes, c'est très bien. Et ils avaient droit à un repas par jour. Mais un seul. Avec les produits du locaux. Et donc, le reste du temps, ils allaient manger ailleurs. Et il n'y avait pas assez pour vendre, pour les payer eux. Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on regarde, il n'y avait pas assez pour nourrir, ni pour vendre, pour payer le temps qu'ils y passaient. Donc, ce n'est pas du tout un modèle qu'on peut souhaiter généraliser, en tout cas dans la forme qu'il avait dans la terre. Peut-être qu'on peut faire mieux, je suppose. Mais quand Rabhi disait que c'était merveilleux qu'il avait une étude pilote et que ça montre que ça marche, non, ça montre que ça ne marche pas, comme ça. Il avait plein de colibris pour l'aider, alors c'est plus facile. Et mais ce que tu dis là, c'est le woofing, c'est ça ? Ça s'appelle comme ça ? Où tu vas dormir dans une ferme et tu aides tu aides l'agriculteur. C'est un modèle, c'est vrai. Pour les touristes qui peuvent voyager comme ça, vous donnez un coup de main, soit. Mais ça ne peut pas être généralisé à tout le monde. Et c'est comme ça aussi qu'on a des entrées de l'anthroposophie et de la biodynamie dans des fermes en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle. Le woofing, ça a aussi une espèce d'endoctrinement un peu subtil et qui n'est pas forcément visible. Parce que c'est sympa. Parce que c'est sympa, parce qu'on va voir où on est avec quelqu'un qui est pro-biodynamie, et les gens parlent, etc. Et ça diffuse comme ça. Et d'ailleurs, dans les fermes nouvellement en biodynamie, on l'a pas dit au début, une ferme pour avoir la labellisation Déméter, par exemple,
qu'elle ait été auparavant pendant 3 ans en agriculture biologique. D'accord. Okay. Donc on est sur. Et il y a 1 an de conversion pour passer chez Déméter. Donc on est sur au moins 4 ans, déjà quand on commence Déméter, on est au moins sur 4 ans d'agriculture biologique. Donc si on imagine que les sols en agriculture biologique sont mieux en termes de population microbienne, etc., qu'un sol en conventionnel, on a déjà ça de gagné sur. Ce que je veux dire, c'est quand on compare un sol en biodynamie, il a déjà vu Le l'agriculture bio, biologique. oui. Voilà. Donc il a déjà cette mémoire-là que n'a pas Donc un si le conventionnel. bio, parce que bon, le bio a des défauts, mais le bio sur ce qui est de la vie du sol, Ouais. là, il y a un vrai Ouais. effet. Et donc si c'est là-dessus que le biodynamie a un effet aussi, si le sol a été bien traité pendant plusieurs années auparavant, et si quand il passe au bio, il fait encore plus gaffe, etc., ben, il y aura un effet, parce que c'est là le critère, en effet, où le bio est déjà efficace. Monsieur Perra nous dit qu'il ne faut pas qu'on oublie de parler du problème de la formation des jeunes dans la biodynamie. Donc je suppose que toi, étant enseignant dans un public qui va être dans mon agricole, tu dois peut-être voir des choses qui circulent sur Alors, comment c'est. Parce que moi j'ai vu, alors, parenthèse, ouais, pardonnez-moi, vas-y. j'ai fait une vidéo sur un cours d'homéopathie à l'université de Lorraine, à Nancy. Je sais que les gens de la faculté ont vu la vidéo. Je sais que le doyen n'a pas aimé cette vidéo. Et je sais qu'il y a eu une délibération. Je ne devrais pas le savoir, mais j'ai eu accès à un document. Et je ferai une vidéo pour revenir là-dessus parce que ce qu'il se passe à l'heure actuelle ne me plaît pas du tout. Et je veux avoir de bons rapports avec l'Université de Lorraine. Ça ne va pas être possible dans ces conditions. Ils sont plus forts que moi. Mais je vais. Donc voilà, donc je suis en train de voir si je peux parler avec quelqu'un de chez eux. Parce que la manière dont on enseigne une pseudo-science à l'université me dérange. C'est mon métier d'être dérangé par ça. Donc, à un moment donné, si je ferme les yeux, il faut arrêter de donner de l'argent à la steak. Hein. On sert aussi à ça. Et toi aussi, tu es exposé. Enfin, tu peut-être des choses qui se passent où on enseigne des choses qui ne devraient pas être enseignées à des jeunes. C'est ça? Alors, moi, dans mon lycée, non. C'est bon. Bon. En tout cas, je ne le vois pas. Par contre, donc déjà, pour revenir sur Grégoire Perra et les écoles Steiner-Waldorf, la biodynamie est enseignée dans les écoles Steiner-Waldorf. C'est tout le package, hein. On a la pédagogie de Steiner, on a l'agriculture de Steiner, la Oui, médecine de Steiner, tout le package. tout l'ensemble. Je vais te montrer juste ce qu'il y a à la Attention, fin. le bruit sur Oh, le micro pardon. résonne. J'assure que moi j'entends tout. Hein. Donc, Des dans ce trucs. livre de Madame Thunes, Regarde, à la fin, formation. alors on propose des formations, enseignement, agriculture, biodynamie, le CFPPA d'Obernai. C'est quoi? Alors, c'est un centre de formation. On ne vous verra pas, mais bon, j'ai lu. Faites-nous confiance. Voilà. Donc, il y en a un deuxième qui a ouvert, hein, de centre de formation sur la biodynamie. C'est Et là, vous avez en gros tout le réseau de biodynamie Voilà, en c'est France. ça. Il y a beaucoup Et de un gens. réseau, Il y a ouais. beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Et donc, ces formations, elles sont destinées à des adultes. Okay? C'est financé à la fois par des fonds publics et privés. Et donc, c'est nos impôts qui financent ce genre de formation Nos à la impôts, de toute biodynamique. façon, Oui, pour plein détournés. de choses. Voilà. Bon, Mais. mais moi, ce qui me dérange le plus, surtout, c'est si jamais on a des jeunes dans une formation continue, dans des lycées agricoles, peut-être à la fac. Qui sont exposés à ça. Ça arrive. Ça peut arriver. Je ne sais pas dans quelle mesure dans les lycées agricoles, chez moi ça ne se passe pas, mais je ne sais pas dans quelle mesure les enseignants sont formés à ce qu'il y a vraiment derrière la biodynamie. Je suis pas sûr qu'on ait une information qui circule Ouais. et elle a toujours cette aura de plus bio que bio. Et Ouais, donc on sûr. va orienter peut-être les élèves à faire leur stage dans des fermes en biodynamie ou Donc, dans des exploitations en si biodynamie. vous êtes dans le monde agricole ou lycéen dans le monde agricole, moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez croire. En revanche, j'ai un conseil, c'est que si on vous présente quelque chose, il ne faut pas qu'on vous explique l'histoire derrière, il faut qu'on vous dise, voilà, on a telle pratique parce qu'on sait, grâce à telle étude, que cette pratique-là améliore ceci, améliore cela. On a des métriques comme ça pour mesurer les effets. Et votre travail, quand vous serez sur la parcelle, c'est de savoir quel facteur a un effet sur tel autre. Et il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de cette logique-là dans la biodynamie. Rien du tout. Ça ne veut pas dire que vous allez mal travailler, c'est-à-dire que vous serez un peu tout seul, parce que la théorie ne va pas vous aider, en fait. Et donc, les gens qui sont censés vous former avec une méthode qui vous aide.
Voilà, vous êtes aidé parce que la méthode, vous savez que comment ça marche. Et l'enseignement en biodynamie, elle est faite, enfin, il est fait par des anthroposophes, avec toute la doctrine qu'il y a derrière. Oui, bah, Donc, et ça va pousser subtilement à l'anthroposophie. Voilà. Dans les Donc, écoles Steiner, on parle plus de biodynamie que l'autre chose. voilà. On a des produits pharmaceutiques avec la médecine anthroposophique, on a des produits bancaires avec les banques anthroposophiques. Donc, allez voir le live avec Grappera, on a parlé de ce réseau qui a pesé de toutes ses forces pour la destruction avortée de la Miviludes. Elle est toujours là, mais elle n'est plus comme elle était avant, mais ils ont failli résoudre leur coup et on n'a pas des preuves à vous donner. Mais le climat, la prégnance de l'anthroposophie en France, fait que vous connaissez tous la scientologie et personne connaît l'anthroposophie parce que ça les arrange que vous la connaissiez. Ouais. Justement, c'est ça leur force en fait. C'est qu'elle avance masquée Voilà. et elle avance dans des domaines où ça titille et ça attire les gens en fait. On s'attend à ce qu'une secte elle parle de religion. Mais non, les sectes parlent d'autres choses. Et d'argent aussi. Parce que là, il n'y a pas de question d'argent. On ne va pas demander À la banque, à... si. Oui, non, mais pour la banque, ok. C'est laquelle déjà? C'est la nef. Nef, la nef. Mais on va pas demander une cotisation pour rentrer dans la Non, secte. non, Là, c'est plus subtil. C'est les idées qui se répandent tout doucement. Et non. c'était le souhait de Steiner Non. aussi, c'est de se répandre sur la société. C'est une idéologie. Alors, parmi les études, il y en a qui sont quand même parfaitement farfelues. Donc, l'eurythmie est une pratique anthroposophique qui est faite dans les écoles Steiner, d'ailleurs. Une sorte de gymnastique, eurythmie, E c'est pour vrai, rythmie c'est le rythme, c'est le vrai rythme. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Bah, c'est de la danse, hein, c'est tout simplement de la danse. Et en fait, là, il y a des études, enfin, il y a une étude qui s'intéresse à montrer que cette danse anthroposophique. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Franchement, je crois pas. Franchement. Franchement, je crois pas. Non. Si tu te mets à côté de moi, ouais. Je côté de mais je lance pas, mais vas-y. Alors, je vais pas le faire. Bon, tant pis. Mais Mais même pour les vous autres, c'est. avez raté un grand Ouais. moment de télévision. En plus, j'aurais pu me C'était. déshabiller pour le faire nu. Mais non, je vais pas le faire. Alors. Mais qu'est-ce qu'on attend? On fera ça après. Alors. Y a 1300 personnes qui t'écoutent C'est quand vrai? tu racontes ça Ouais, et ça il va est être super. vu 40 000 fois. Il est Donc, super. bon, c'est comme tu veux. Et ça sera pas coupé au montage. Ok, bon, ben, on laisse alors. C'est ma fille qui sera contente quand elle sera plus grande. Alors. Donc, la danse rythmique, donc c'est la danse inventée par Steiner, Oui. qui est réalisée, qui est dansée, on va dire, dans les écoles Steiner. Il y a des spectacles de rythmie. Et en fait, là, il y a une étude qui montre que cette danse, devant des pommiers, On danse devant des pommiers, il y a des photos dans l'air. change le goût des pommes. Voilà. Donc, il y a une personne, là, une anthroposophe, qui est en train de danser devant des pommiers. Donc on savait que montrer ses fesses devant les tomates, ça les faisait rougir. Là, Paraît-il. voilà. Donc là, danser devant des pommiers, eh ben ça fait changer le goût des Regardez, il y a pommes. des graphes, donc c'est forcément vrai. Voilà. C'est de la Personne science. ne C'est de mentirait la dans un science. graphe. Hein. C'est fait à Marseille ou ailleurs? Alors c'est pas fait à Marseille. Il n'y a pas que des charlatans à Marseille non Non, plus. évidemment, évidemment. Mais enfin, quand même, quand on en voit un, il arrive d'où? Bon. Il y a des gros melons à Marseille, hein. C'est ça. On reste sur l'agriculture. Donc, c'est publié pour de vrai, ça. C'est publié pour de vrai, ouais. Donc c'est dans Open Agriculture. Et donc c'est une étude qui est passée par les pairs, hein. Ça a été L'Institut revu. Artenova, Ouais. à Lonhof et à Basel. Bah, Ok. c'est un institut anthroposophique, hein. Ok, bah, je T'imagines suppose, parce que là, on est quand même dans des bien. gens très impliqués. Voilà. Et donc maintenant, l'image, c'était Tania Baumgartner qui traite les pommiers avec le geste U. Voilà. Je sais pas, Ça, c'est la photo. il peut Et être après, elle U. fait une séquence spécifique, hein. Regarde, tu l'as là dans le protocole, hein, parce qu'il y a un protocole quand même. Regarde, tu l'as là. Protocole, message, D, soleil, O, ULP. Ça fait doulpe avec le soleil dedans.
Bon, on va pas se moquer plus que ça, mais il y a ça. Je doute que le fait de danser devant le pommier, ça change des choses. Oui, mais on a testé, attends. Alors, c'est quoi le test? C'est quoi le protocole? Alors, le test, c'est qu'on cherche des composés qui seraient différents entre les plants non traités et les plants traités. Ah, donc c'est pas juste au goût, on a mesuré ouais. dans la composition. Ouais. D'abord, on mesure dans la composition. Dans la composition, il n'y a pas de différence. Ah. Attends, c'est pas fini. Du coup, maintenant, on va regarder le goût. Ah, j'ai eu peur. Bon, vas-y, déconne. Et le goût, eh ben, je te laisse regarder. Le goût, alors, attends. Parce que je n'ai pas lu l'article, mais ouais, je suis médium. Le goût est différent et le goût est meilleur. Ouais, c'est pas, c'est même pas ce point. Regarde. Non. En fait, si on regarde bien les courbes, il n'y a même pas de différence. Les barres se recoupent. Et en fait, d'accord, il n'y a pas de différence significative. Alors bon, la significativité est un concept dont on va peut-être se débarrasser. N'empêche qu'il a quand même un petit peu de sens. Et bon, comme je n'ai pas lu, je ne peux pas vous décrypter. Il faut un peu de temps pour lire un graphe. Mais si tu regardes... On n'en a qu'un, donc il faut comparer quoi avec quoi? Non, c'est les deux à côte à côte. Voilà. Ah oui, donc ça se recoupe beaucoup, beaucoup. Ça oui, se recoupe beaucoup, beaucoup. Ok, et ils ont conclu qu'il y avait un effet. Bon. Voilà, ils ont conclu qu'il y avait un effet. Comment on publie ça? Alors, comment on publie ça Parce que si quelqu'un me dit, j'ai un article revu par les pairs qui montre que l'eurythmie a un effet sur le goût des pommes, il ne ment pas, ça existe. Ouais, ça existe. Et on n'en est plus à des bouquins de sorcellerie de Rudolf Steiner et tout. On est passé dans la science. Alors. Et dans la science, qu'est-ce qu'il faut regarder dans un article? Donc, où ça a été publié? Donc, Open Agriculture. C'est un bouquin en open access, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il faut regarder aussi? Les financial supports, donc les conflits d'intérêts. Et là, les fameux. Voilà. Et donc quand on regarde là, eh ben on regarde que c'est financé par la société anthroposophique. Ok, quelle surprise. On parle de Goetheanum. On parle de Goetheanum, là, c'est... Parce que quand on lit Basel, on pense à Goetheanum. Anthroposophique, moi je suis pas... Tu n'es pas jamais la femme. Donc, ça a été financé par l'anthroposophie. Ça a été publié dans une revue, quand même. La revue n'est pas anthroposophe. Hein. Par contre, dans cette revue-là, dans ce journal-là, il y a une édition spéciale biodynamie, qui, elle, est éditée par des anthroposophes. La référence est « Changing the taste of apples by arrhythmic treatments ». Voilà, donc changer le goût des pommes par un traitement eurythmique. Donc on voit que là, c'est le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de gatekeeper, il n'y a pas de barrière étanche. N'importe qui a une théorie bizarre peut, de manière ou d'une autre, réussir à la publier. Ouais. J'ai souvenance que des créationnistes avaient réussi à publier un article qui démontrait, via l'étude des mitochondries, que l'âme existait. Alors, c'était plein de plagiat, c'était un article qui n'aurait pas dû passer, mais il va forcément toujours exister des études qui montrent quelque chose qu'on ne peut pas croire. Si quelqu'un vient en vous disant « Mais si c'est vrai, regarde, j'ai un papier, et s'il n'a qu'un papier, ça ne veut pas dire qu'il a tort, mais ça veut dire que mais un papier, ce n'est pas censé prouver un phénomène, la réalité. » La biodynamie étant ce qu'elle est avec tout son impact, 900 fermes, etc. Enfin, il y a quand même un impact fort. C'est pas possible qu'il y ait un seul papier qui existe. Il faut attendre qu'on ait une vingtaine, qu'il y ait une revue, qu'on compare tout, etc. Après, je suis pas sûr que sur l'eurythmie, il y aura d'autres papiers. J'imagine pas des chercheurs sérieux qui vont aller danser devant les pommiers pour changer le goût. Ouais, mais c'est aussi tout le paradoxe. Ce que tu viens de dire va paraître extrêmement arrogant. On va pas perdre notre temps à traiter ça. Oui, mais si c'est vrai, et ben voilà, oui. Voilà, bravo les scientifiques, vous avez l'esprit fermé, il y a un truc qui marche, il faut danser devant les pommiers, et vous dites que c'est fou, donc vous ne testez pas, donc on ne saura jamais. C'est votre faute. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais par contre, on ne peut pas tester toutes les idées farfelues. Parce que peut-être qu'il ne fallait pas faire le geste U, il fallait faire le geste A. Peut-être. À la place. Et du coup, on n'a pas testé. Et pareil pour les cornes de bouse. Il aurait peut-être pas fallu mettre de la bouse de vache, mais de la bouse de cheval. On l'a jamais testé. Pourquoi ça se teste pas? Tu vois, il y a toujours... Là, il faudrait accepter de changer la parole de Steiner. Et, ouais. Et c'est là que le bas blesse. C'est qu'on ne peut pas changer la parole de... Pas d'un gourou, mais...
Ah si, dans le goût. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions? On a survolé un peu le truc, on était un peu vite parce que peut-être on était efficace, on était rapide. Et parce que ça arrive, des fois qu'on est rapide. Donc posez vos questions maintenant si vous en avez d'autres. Moi je vais vous faire la petite annonce sur ce qui va se passer maintenant prochainement sur la chaîne. Je ne peux pas vous donner le programme du mois prochain parce que je ne l'ai pas à l'esprit. J'ai oublié les choses. Je peux le retrouver. Non, je peux pas, j'ai pas le temps. Il y aura des lives, il y aura des choses, mais il y aura notamment, parce que là il y a une séquence à Berkane sur la tronche en biais. Il a refait une vidéo il y a 2 jours de 52 minutes. Et cette vidéo de 50 minutes, elle est phénoménale parce que je vais réussir à lui répondre en 28. Il a donc réussi à me faire violer la loi de Brandolini. On peut répondre en moins de temps parce qu'en fait, il se répète beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, et dans cette vidéo qui sortira demain, il y a une preuve. C'est un truc, on a contacté quelqu'un, on a des preuves. Et encore une fois, son CV, on s'en fout. Mais juste s'il ment, alors là-dessus, on peut montrer qu'il ment et... Après, vous verrez bien ce que si vous voulez accorder votre confiance. On fera un live avec les auteurs donc du nouveau péril sectaire. Mmh. Et j'ai pas rédigé mon truc comme il faut. Pardonnez-moi, j'ai été amateur ce soir. Mmh. Mais ce sera courant du mois de mars. Et en avril, on va essayer de faire un live sur les TDI. Trouble dissociatif de la personne. Enfin, j'ai un trou de mémoire. Voilà. Est-ce qu'on peut être plusieurs dans sa tête? Voilà. Il y a des gens qui vivent ça, et puis il y a des gens, beaucoup de gens qui racontent ça, et on se demande si le livre pour de vrai. On n'est pas là pour traquer les menteurs, mais on va parler de ce que c'est comme vrai syndrome qui en général est très traumatique, une origine traumatique, et donc c'est du sérieux. C'est quoi la cristallisation sensible, dis-moi? Alors, la cristallisation sensible, c'est une méthode qui a été mise au point par des anthroposophes. Par Steiner lui-même, non? Pas par Steiner, ses disciples. Oh, c'est le début du siècle aussi. Hein. Mm-hmm. C'est Pfeiffer qui a mis au point ça. En fait, c'est on prend une boîte de pétri et on met du chlorure de cuivre, je crois. Et en fait, ça va en séchant, on met ça dans une étuve, et en séchant, ça va faire une forme, ça va faire des noyaux de nucléation, ça va nucléer, en fait, un peu partout. Et en fait, selon la forme que ça va prendre, il va y avoir une qualité différente du composé que tu vas mettre dedans. Imaginons que tu mets un jus de valériane qui est sain, et à côté un pesticide, tu vas pas avoir le même profil sur les deux. Ça permet de tester. Voilà, ça permet de tester, et c'est ce qu'on appelle de la cristallisation sensible. En fait, c'est à l'appréciation de... Ça rappelle Masaru Emoto, C'est exactement ça, c'est des mancies en fait. Hein. Oui. Et donc en fait, c'est selon ce que tu veux voir, tu vas voir. Moi, je trouve qu'on dirait un petit cœur, alors c'est gentil. Là, on dirait une tête de mort. Non, c'est pas... Ah, non, j'ai inversé. Alors du coup, non... Du coup, ce n'est pas une tête de mort, mais c'est une jolie fleur. C'est ça. C'est pas un cœur, c'est une larme. C'est triste. Ça. C'est ça. Donc ça, c'est la cristallisation sensible. C'est comme Zemmour, je vois ce que je crois. Voilà. Et cette cristallisation sensible, elle est utilisée comme méthode scientifique dans des publics scientifiques. Ouais, ça s'est publié dans ce genre de revue, quoi, par exemple, hein, dans Open Agriculture. Mais ça me choque. Mais moi aussi. Après, danser devant des plantes, ça te choque? De quoi? Danser devant des plantes. Ça ah, danser devant... Bah, pour l'hygiène, c'est bien. Enfin, c'est un problème oui, de vie. Mais la mancie, etc. Attention, t'as pas... ça me paraît quand même très, très discutable. Je reviens voir si les gens de l'équipe ont pu remonter des questions. Donc, le centre de recherche et de formation sur l'agroécologie, c'est ce dont on a parlé. Et l'apiculture en biodynamie, est-ce qu'on en parle? Je vais pas potasser plus que ça le sujet, mais il y a toute une partie sur les abeilles et sur les conseils de Steiner aux apiculteurs. D'accord. Mais j'ai pas potassé plus que ça le truc. Bah, notamment, il faut plus de fleurs. C'est important. Un jour fleurs, du coup. Peut-être pas, mais ou peut-être si, mais en tout cas, il faut des fleurs, il faut plus de nourriture pour les abeilles. Après, pour revenir sur les agriculteurs, il y a Valérie Rasplus qui lui va au contact des...
Donc il a le compte Twitter AgriGenre, c'est ça. Donc c'est ça. Valérie, on le salue. J'avais proposé de venir, il n'était pas toujours pour venir en live. C'était mon premier choix. Il n'aurait pas eu de place. C'était mon premier choix. Super, merci toi. C'est important que tu le saches. Okay. Tu m'as dit des saletés avant le live, donc je te renvoie là. Ne le croyez pas. Et donc AgriGenre, donc Valérie Raspus, a séparé en gros les agriculteurs en biodynamie en quatre grandes catégories. T'as les nouveaux entrants qui savent pas trop ce que c'est, qui veulent du bio, plus bio que bio, qui sont un peu novices dans la matière et qui vont se tourner vers la biodynamie. Il n'y a pas un profil type du biodynamiste derrière son chaudron en train de dynamiser. Hein. Oui. Il y a le novice qui essaye de découvrir, qui a tâton. T'as celui qui fait ça pour le marketing, plus qu'autre chose. Donc, on imagine le viticulteur avec des centaines d'hectares, sur 100 hectares, la biodynamie. On fait deux biodynamie, puis voilà. Ça fait un peu... Hein. Et t'as aussi les anthroposophes convaincus. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des biodynamistes qui sont ouvertement anthroposophes et qui le disent. Je pense notamment à Nicolas Joly, hein, qui lui il passe bien à la télé, parce qu'il a des idées un peu farfelues. Et puis il a des histoires à raconter. Voilà, il a plein d'histoires et ça plaît. Et t'as celui qui hésite encore entre les deux. Voilà, c'est quand même important de dire que c'est pas une population qui est homogène, les biodynamistes. C'est quand même... Mais il y a des nuances, quoi. C'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. On a tendance à généraliser, à faire des packages. Non, la plupart des gens, des groupes, quand on est hors du groupe, ils se ressemblent tous. Et quand on est dans le groupe, on voit qu'il y a plein de nuances. Par exemple, les esthéticiens, très différents tous. Alors que de loin, ils ont juste d'être chiants. Ouais. Ce qui n'est pas faux non plus. Mais bon, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Bienvenue. Donc, autre chose sur ces catégories Alors, on nous questionne, et c'est vrai que j'avais vu passer l'info, et c'était un peu étonnant. On utilise des métaux lourds en association avec des planètes pour traiter les sols. Parce que, par exemple, Saturne, c'est le plomb. Ouais. Le plomb, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Parce que c'est pas sûr. Et en fait, ce que pourraient te répondre les biodynamistes, c'est que c'est à des doses homéopathiques. Et donc, ce n'est pas toxique. C'est pas toxique, parce que ça va venir sur l'information. Mais si on ne dilue pas, c'est beaucoup. Voilà. Oui. Donc, mais en gros, c'est quoi l'idée pour expliquer aux gens? L'idée, c'est que les métaux vont être liés aux planètes, et mettre des métaux dans le sol, ça va attirer les rayons de ces planètes particulières qui vont avoir une influence sur telle ou telle partie de la plante. Donc l'argent, c'est quoi? La Lune, peut-être? C'est pas le sélénium, la Lune, c'est plus rare. Vénus, la Lune, c'est des cornes vitrifiées, des cornes de vaches vitrifiées, donc c'est plus spécifique. C'est spécifique, ouais. Mais alors, du coup... Et après, il n'y a pas toutes les planètes. Jupiter, c'est quoi, alors? Je sais plus. Mais on veut savoir. Jupiter, c'est quel métal? Je n'ai pas toutes les réponses des métaux. Mais en tout cas, si tu ne le savais pas, il y a une planète que Steiner a découverte, c'est Vulcain. Voilà. Et le système solaire ne va pas jusqu'à... Pluton. Non, de toute façon, il n'y a plus Pluton. Je cherchais celle-là. Ah, Pluton, elle est toujours là, mais c'est plus une planète. Oui, c'est plus une planète. Mais alors, Vulcain, mais c'est lui qui a proposé Vulcain. Ouais, c'est lui qui a proposé Vulcain. Donc, c'est l'anthroposophie. Donc, si on a Spock et les Vulcains... Voilà. Donc, Spock, c'est peut-être un anthroposophe. Ah, attends, parce que là, du coup, c'est vrai que j'avais pas réalisé. On peut quand même reconnaître quelque chose à Steiner, c'est qu'il a joué un rôle dans la fiction. Et c'est tout le mal que je souhaite. Ron Hubbard et la scientologie, il écrit de la mauvaise fiction, mais il écrit de la fiction. Et donc, si on a Spock et Vulcain, très 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 rationnel, c'est parce qu'on avait Steiner, très 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 irrationnel, de la manière, qui a inventé la planète Vulcain. Ouais. C'est beau, hein? J'aimerais savoir si le créateur de Star Trek, ce qu'il pensait de... Si c'était un anthropomorphe ou pas, parce que peut-être que... C'est pas tellement raccord. D'ailleurs, avec... l'histoire sans fin, c'est un conte anthroposophique. Michael Ende est anthroposophe. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Bon, ben on a et, pas... et Star Wars est inspiré de l'anthroposophie aussi.
Là, tu vas un petit peu trop Ouais, loin, je j'arrête là, trouve. j'arrête là, j'arrête là. Et d'ailleurs, c'est dans Cosmo Bacchus, sur la fin. Je me souviens plus de ça. J'ai dû faire pouce. Comment ça, Star Wars s'est inspiré de Ouais, il y toi? a Yoda à la fin de Cosmo Bacchus. Et la femme de George Lucas était proche de Milieu Anthropocène. Oh. Ça Mais me fatigue. voilà, c'est. Bon. On peut dérouler longtemps. Mais de toute façon, ce que là, on est en train de parler de biodynamie, mais au final, on parle d'agriculture, mais l'important à savoir, c'est que la biodynamie, c'est le moyen pour l'anthroposophie, c'est un des moyens de l'anthroposophie pour se répandre sur le monde. Mais C'est. ça, là, on fait du procès d'intention. On pourrait dire c'est des gens. Enfin, d'ailleurs, la plupart des gens qui le font, ils y croient. Oui. Bon, il y a ceux qui font du marketing, ok, mais Ouais. ils font pas du marketing pour l'anthroposophie, ils font du marketing pour leur produit en disant oh, je mets l'étiquette Bien parce que sûr. c'est la mode. Bien sûr. Donc, le problème, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont dans le calcul, mais la plupart des gens, ils adhèrent parce que ça passe et que ça leur plaît dans le contexte où ils se Oui, trouvent. pour les gens, pour les agriculteurs, oui. Mais au-dessus, il y a Déméter. Et il y a le Déméter. Goethe-Anum. Oui, alors là, Donc pour le voilà, coup, c'est ça. il y a un C'est projet. Vous voyez qu'ils veulent donner le y a un nom, ça projet. fait un peu Non, c'est pas de donner le nom, mais archi-vilain. c'est de répandre cette idéologie particulière dans tous les aspects de la société. D'accord, mais C'est en ça que. c'est aussi ce qu'on fait nous. On est Bien sûr. en train d'essayer de dire aux gens que c'est bien d'être rationnel et que d'être plus rationnel dans la manière de gérer la société, c'est plus souhaitable. Et on défend l'idée et on la défend partout où on veut. Et eux, ils sont un petit peu dans une démarche un peu, sinon au contraire, en tout cas, en décalage qu'avant. Mais ils ont quand même une vision du monde qui est qu'à eux. Parce que je veux dire, ils sont pas dans le matériel, ils sont dans l'intuition et C'est tu pas vois, les seuls, c'est pas les non, seuls. c'est pas le seul, mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est ils propagent un certain nombre d'idées anti-progrès, anti-science, et pendant la pandémie, on l'a vu, anti-vax. Et ça, c'est plus dangereux, tu vois, c'est dans ce sens-là que. Par exemple, en France, il y avait plus de rougeole pendant longtemps, parce que la vaccination était très efficace. Et pardon, j'ai oublié les chiffres. Mais on a eu quelques rebonds de rougeole dans les 10 dernières années, dont on a pu tracer l'origine, et c'était les écoles Steiner. Et ces sursauts de rougeole, la rougeole n'est pas une maladie grave en général, mais elle peut l'être, et il y a eu 2 ou 3 morts, notamment une adolescente. Donc le calcul est clair, cette adolescente est morte parce que il y a une chaîne de transmission qui a commencé dans une école Steiner. C'est à peu près certain. Et je ne peux pas commenter ça, ce sont des faits. La biodynamie, on pourrait dire, c'est moins grave, sauf que j'ai rappelé au départ que l'agriculture, on oublie les services fondamentaux. On oublie à quel point avoir de l'eau courante, ça sauve des millions de vies parce que ça permet une hygiène d'avoir de l'eau courante. On oublie à quel point pouvoir se chauffer, même si le climat chauffe, en hiver, ça peut sauver des vies. On oublie que... On est à 3 générations de gens qui ne savaient, n'étaient pas sûrs de pouvoir finir l'année sans devoir se serrer la ceinture. Nous, on a la bouffe jusque-là. D'ailleurs, on est plus obsédé par le fait de moins manger. Et dans ce contexte-là, du coup, on oublie que le rôle de l'agriculture, c'est pas d'être sympa avec l'environnement. Il faut qu'elle soit plus. Et du coup, on n'a pas les mêmes priorités et on oublie que les maladies sont dangereuses. Et on se concentre sur le danger potentiel du vaccin. C'est un peu la même logique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger dans le vaccin, évidemment, qu'il y a des effets secondaires qu'il faut les surveiller, évidemment, au cas où. Mais voilà, ce décalage de la logique, on le retrouve. Et donc, c'est assez cohérent. C'est pas qu'ils sont homogènes. Mais quand quelqu'un croit à l'anthroposophie, il va être plutôt anti-vax, il va être C'est ça. plutôt C'est ça. pro-homéopathie. Et ça conduit à des décisions suboptimales. Oh, joli. Pour le dire comme ça. Oh, joli. Et d'ailleurs, toute la 5G, l'activation des vaccins par la 5G, ça vient de l'anthroposophie. Ah oui, non, oui, c'est un Américain. Ouais. Ouais, c'était pas chez nous, la vidéo avait beaucoup circulé. Bon, voilà, donc c'était un peu ce qu'on pouvait. Alors évidemment, on était à charge. Évidemment, il n'y avait pas d'anthroposophe pour se défendre. Je vous rappelle que le débat n'est pas le mode ultime d'administration de la preuve. Quand on a un débat entre 2 personnes, c'est celui qui parle le mieux qui a gagné, celui qui a la plus belle histoire qui va gagner, et la biodynamie est une très belle histoire.
Donc, en débat, un contre un, c'est compliqué. Allez vous renseigner auprès des gens qui la défendent. Allez voir ce qu'ils disent et comparer. Ah, ok, on s'est moqué, etc. Parce qu'on n'est pas là pour passer un moment sinistre. Mais on a cité des données, on a cité des faits. Alors, on n'a pas cité forcément tous ces études, quand même, mais juste ça existe. Au niveau de la science, pour l'instant, la science n'est pas convaincue, mais il y a des chercheurs, y compris à l'INRA, qui sont plutôt favorables, en tout cas, et donc qui cherchent, et on les laisse chercher. Et ça ne pose pas de problème, ça. On est d'accord. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose de Corentin Lise, un commentaire? C'est pas un commentaire, ça, d'accord. Enfin, donc, je regarde la dernière fois s'il n'y a pas de question Ils veulent aller intéressante. manger en fait. Je pense qu'on va aller manger le burger, c'est important, il faut se nourrir. C'est du bio qu'on mange? Non. Bon. C'est pas du bio. Mon cher Cyril, qu'est-ce qu'on n'a pas dit et qu'il fallait dire? Je pense qu'on est pas mal, hein. On est pas mal. Après, c'est toujours. Enfin, on veut toujours trop en dire ou pas assez en dire. Là, je pense on a fait le. On a bien dosé. Ouais, on a bien dit. Donc, il y a le livre Cosmobacus qui est vachement cool, qui parle donc de boulimie et de vin. Donc, allez voir, c'est Monsieur Mébec qui fait ça. Et en plus, il est cool, il a fait une dédicace amusante. Je vous ai déjà lancé les futurs lives sur la chaîne. Pensez à soutenir la steak. Notre asso, là, on est dans le cadre de la steak qui est payée grâce à vous. Donc, sur Hello Asso, sur Tipeee, sur Utip et sur Patreon, vous pouvez nous aider évidemment. Voilà. Plutôt qu'aller donner votre argent à des sectes. D'argent pour l'émancipation intellectuelle et plus de science et moins de croyances. Tu es venu donc ici depuis presque Perpignan, donc du loin dans le sud, et tu as fait tout ce chemin pour venir nous voir. Juste pour vous, On est bien pas juste pour content. toi. Voilà. Il y a une tension C'est vrai. sexuelle ce soir qui était phénoménale. Voilà, donc la postérité, c'est vrai que c'est là que ça a commencé, hein, les problèmes. Bien, et ben merci d'avoir été là. Vous étiez plus de 1300 à nous suivre ce soir, ça nous fait plaisir. Pensez à partager sur les réseaux, à faire connaître tout ça, et à en débattre poliment dans les commentaires. Si des gens qui sont énervés, vous leur répondez poliment. Et c'est les trolls, si vous vous énervez, vous leur donnez raison. Donc, on ne fait pas ça. Et faites attention aux aliments que vous acceptez de mettre dans votre corps, quand même, malgré tout. À très bientôt. Merci.